Shalom bien-aimés, nous lançons un projet de collecte pour le changement et l'aménagement d'un nouveau local siège pour l'Église. Ce projet consiste à trouver 500 partenaires capables de contribuer afin de collecter 50 000 euros, soit 35 millions de francs CFA. Cette somme servira donc à l'aménagement d'un nouveau local, à l'acquisition de matériel de sonorisation et de vidéos plus performantes. Ainsi, nous pourrons, grâce à ces installations modernes, Toucher plus de croyants et surtout d'incroyants. Ce projet de collecte s'étendra du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. Cette opération vous offre donc la possibilité de semer en trois tranches différentes selon votre choix. De 100 à 500 euros, ou soit de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour la première tranche. De 500 à 1500 500 euros, soit 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour la deuxième tranche et pour la troisième tranche de 1500 euros et plus, soit 1 million de francs CFA et plus. Vous aurez donc la possibilité de contribuer pendant toute la durée de l'opération et autant de fois que vous souhaitez semer dans ce projet. Tous les moyens de paiement sont disponibles et s'affichent au bas de l'écran. Vous pourrez donc consulter notre site internet et toutes nos différentes pages Facebook ou appeler le contact qui s'affiche pour plus d'informations concernant cette opération. Joignez-vous à nous et saisissez l'opportunité de semer pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre dans notre génération. Shalom et que Dieu vous bénisse. Et, et, et ce soir, c'est ce soir. Euh, Est-ce que tu es prêt à écrire un commentaire Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Allons-y, allons-y, allons-y. Je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Je, prêt, je suis prêt, I am ready, I am ready. Je suis prêt, je suis prête. On est à peine à 65 partages. On peut partager encore, Partage encore, relais. Il faut qu'on passe la centaine de partages pour qu'on atteigne la centaine de vues très rapidement pendant le message. On va dépasser tout ça. Il y a beaucoup de choses à partager. Il y a tellement de gens qui... Que certainement Dieu va délivrer, visiter, euh, à qui Dieu va parler ce soir. On ne peut pas rester le nombre qu'on est. On peut encore faire plus. Voilà, ça continue d'augmenter. Ce soir, je parle sur les vérités jamais révélées au sujet de la sorcellerie. Et je sais que vous avez entendu parler de sorcellerie beaucoup de fois, sur beaucoup d'angles, dans beaucoup d'aspects. Mais ce soir, on va vraiment aller dans un aspect très, très dangereux. Je vous en supplie, partagez rapidement le temps que je commence. Quand je commence, je ne m'arrête pas. Donc, partagez rapidement le temps que je commence. Et puis que tout le monde puisse rev revenir, ceux qui étaient partis, ramener sa inbox à des amis. Allez-y dans les groupes WhatsApp, allons-y, faisons ça vite. Allez-y dans les groupes WhatsApp, messagerie, euh, euh, messenger, Facebook, Instagram, allez-y rapidement, Twitter. Dites-leur que la peau de la révolution est en live et que ce soir, je parle des vérités jamais exposées ou jamais révélées au sujet de la sorcellerie. Je sais que beaucoup d'entre nous, en tant qu'Africains, pour la plupart, avons entendu parler de sorcellerie. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose de très, 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 très important. Est-ce que tu es bon ce... Si c'est bon, écrit, je suis prêt, je suis prête. Je suis prêt. Continue de partager. Voilà, on, est pas... on a passé 70. On a passé 70. Il faut qu'on arrive rapidement. Rapidement. Aziz Morel, tu m'as nous suis depuis la Chine. My God, my God, my God. Continue de mettre des likes, des cœurs. Continue, vite, vite, vite. Ma fille Priscille est là. Je suis prête. Power. Mmh. Ce soir-là, Stéphane Epo. et hey, my son. Dieu béni. Mon fils, Ruth aussi. Également, Dieu bénit ma fille. Esther Zinsou, je suis prête. On peut y aller. Douce Andrade, ma fille. Je suis prête. OK. Pronce, Yes, mon fils. Dieu bénit. Hey, 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 hey. C'est bon, on peut y aller. 78. On peut passer encore. Allons-y rapidement. Quand tu, quand tu invites des amis, là. Quand tu invites des amis... Écris juste le commentaire quand tu leur envoies un message. Écris juste sorcellerie. Ils vont comprendre que ce soir c'est grave. Ils vont comprendre que ce soir c'est grave. Je sais que vous avez entendu parler de la sorcellerie, mais écoutez-moi. Croyez-moi, ce qu'on va partager ce soir va nous, va nous, va choquer beaucoup d'entre nous et ça va certainement vous édifier. Mais ça va surtout nous donner à aiguiser notre discernement pour entrer dans ce que Dieu a à nous dire ce soir. 82 personnes, 85 personnes, on peut aller plus. Ah, 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 ah. Je sens que le diable nous a mis une pression. La pression que le diable a mis, là va nous aider à travailler ce soir. On peut aller plus que ça. 85, allons-y, 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 allons-y. 85, partage encore, partage encore, partage encore. Il y a plein de gens qui ne sont pas encore arrivés, qui continuent d'arriver. Tellement l'atmosphère est chargée, il y a du feu. Sur... Yes, yes, yes. On est prêt. Ok. 87, allons-y vite, allons-y vite. Hmm. Bra chabra, Et si tu as déjà entendu parler de sorcellerie, assieds-toi bien. Assieds-toi bien, parce que ce soir, ce qu'on va partager, c'est des choses terribles. C'est des choses graves. C'est des choses graves qu'on va partager. 88, 89. On peut pousser encore. 88, 89. Identifie seulement. Identifie. Envoie ça une box. Identifie rapidement les vérités jamais révélées au sujet de la sorcellerie. Les vérités jamais révélées au sujet de la sorcellerie. On peut continuer à éviter. On peut continuer. 95. Super. Allons-y. 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 Mmh. Allons Allons-y. Allons-y. Dis à tes amis que c'est pas l'heure de dormir, ce n'est pas le moment pour dormir. Ce soir-là, c'est pas une soirée pour dormir. Dieu va nous parler, Dieu va nous édifier. Ah, my God. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux prier, merci, Seigneur, pour ce que tu nous parles ce soir? Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'aurais pas faites, ni celui de, de dire. Les choses que tu n'aurais pas dites si tu avais été avec nous ce soir. Remplis les ondes, remplis la connexion internet. Parle-nous. Emmène la puissance de ton esprit jusque chez nous à la maison. Peu importe à quel coin du monde ils sont connectés ce soir. Tous ceux qui sont en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, partout à travers le monde, visite quelqu'un. Visite ceux qui sont connectés maintenant, mais visite également tous ceux qui vont se connecter plus tard en différé pour écouter ce message. Euh, nous te donnons la gloire parce que nous savons d'avance que les œuvres de l'ennemi sont exposées et puisqu'elles sont exposées, alors nous avons la victoire et nous triomphons sur elles. Nous déclarons que ce message et cette parole de ce soir nous donnent du discernement, aiguisent notre pensée, notre compréhension pour que nous, nous puissions être efficaces dans, notre, dans la possession de, nos, de notre héritage et dans, dans l'exercice dans de notre autorité dans le combat spirituel. Que la gloire te revienne. Toi qui es le seul qui est capable de faire ces choses que nous allons voir ce soir au milieu de nous, au nom précieux de Jésus. Nous attendons à ta puissance, à la manifestation de ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Écris Amen. Écris Amen. 75 partages. On peut faire plus. On peut faire plus. Vraiment, le message qu'on va partager ce soir mérite qu'on fasse plus. 75 partages. 98 partages. OK, d'accord, ça se met à jour chez moi. 98 partages. On peut pousser encore. Pousse encore, mets un intitulé très grave pour que les gens se connectent, mets beaucoup de flammes, mets des crânes de mort, mets la sorcellerie. N'aie pas peur, ce soir on va exposer l'ennemi, on va exposer Satan, on va exposer le diable et ses œuvres et, et, et on va prendre autorité dans la prière par l'onction du Saint-Esprit. C'est bon, je peux aller, je peux aller. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. L'areke Bro sadavache paria. Merci Seigneur. Ce soir, mes amis, je voudrais parler avec vous sur un sujet très important. Je voudrais prendre le temps euh, d'enseigner parce que vous savez que la parole de Dieu, euh, quand nous traitons de sujets importants comme ceux-ci, il est important d'exposer la parole de Dieu avec clarté, avec lumière, mais surtout avec tranquillité. C'est bien de prêcher avec vigueur, mais c'est bien quand on sort d'un tel rendez-vous euh, en ayant saisi la pensée de Dieu, en ayant capté et surtout en ayant bougé dans notre compréhension. Et ça nous aide à, à aiguiser notre discernement. Ce soir, certains, certains m'ont déjà écrit pour me dire, euh, Jésus est mort à la croix, pourquoi est-ce qu'on va encore parler de sorcellerie Certains m'ont déjà dit, euh, apôtre, euh, c'est des sujets qui n'ajoutent rien à notre foi chrétienne, qui n'ajoutent rien à notre salut, euh, euh, etc., etc., etc. Et vous savez, je vais vous dire, avant de commencer, je vais être sincère avec vous, je fais partie de ceux qui, euh, et ceux qui me connaissent depuis des années, Savent que je n'ai jamais parlé de la sorcellerie. Jamais, parce que, euh, pas parce que ce n'est pas important, pas parce que ce n'est pas. Enfin, j'en ai parlé une fois à l'église, l'année passée, je pense, une seule fois, mais je parle très rarement sur des sujets comme la sorcellerie, parce qu'on en parle déjà beaucoup, et je suis le genre de personne qui estime que lorsqu'une révélation n'ajoute rien euh, à ce qui est déjà, euh, parfois il faut se taire. Et je me suis tué jusqu'à ce que Dieu me parle de la sorcellerie à un autre niveau. Et ce soir, je voudrais vraiment vous exposer euh, ce que Dieu m'a dit en me rendant compte que qu'on avait déjà entendu beaucoup de choses au sujet de la sorcellerie, mais on n'en savait pas beaucoup. Et ce soir, Dieu va vraiment nous exposer des choses. Pourquoi est-ce que donc on va parler de ça Parce que certains m'ont dit, pour qu'on parle de Satan, pour qu'on parle des yeux de l'ennemi, n'oubliez surtout pas que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant... Euh, cherchant, pardon, qui est-ce qui va dévorer. En d'autres termes, nous sommes engagés, Ephésiens chapitre 6 dit que nous sommes clairement engagés dans un combat spirituel et on ne peut pas se battre avec un adversaire qu'on ignore, qu'on ne voit pas, pour lequel on n'a pas de discernement. C'est important. Des enseignements sur les œuvres des ténèbres exposent donc non seulement les pratiques, les œuvres, les stratégies des ténèbres et nous aident donc à avoir du discernement, à être éclairés, à faire attention. À, à savoir prier, etc., etc. Donc, c'est des, des enseignements très importants qui vont nous aider dans le discernement et dans l'exercice de l'autorité spirituelle, dans le combat, euh, dans la prière, etc., etc. Ce soir, surtout, surtout, euh, le message de ce soir va vous aider à ouvrir votre esprit pour regarder autour de vous ce qui se passe et à, à apprendre à regarder différemment, avec un œil plus aiguisé, toutes les choses que nous vivons tous les jours euh, euh, autour de nous. Euh, vous serez certainement surpris euh, parce que pour beaucoup d'entre nous qui sommes africains, pour la plupart, quand on parle de sorcellerie, on parle d'un sujet qui concerne seulement l'Église africaine. J'ai entendu beaucoup de pasteurs de dévanciers, même parfois, dire qu'on euh, ne peut pas être pasteur en Afrique et ignorer la sorcellerie. Parce que dans le subconscient des chrétiens africains, on a l'impression que la sorcellerie est un sujet africain. Et que quand on sort des frontières de l'Afrique, euh, la sorcellerie n'est plus un défi. On a même entendu certains dire qu'en Afrique, tu pries contre la sorcellerie. Mais quand tu es en Europe... Tu pries euh, pour d'autres choses ou pour d'autres adversaires parce qu'on a l'impression que en dehors des limites de notre continent africain, la sorcellerie ne travaille pas. Ce que vous allez entendre ce soir va certainement vous choquer. Écoutez-moi s'il vous plaît, asseyez-vous bien, asseyez-vous très bien. Ce que vous allez entendre ce soir va certainement vous choquer. Ça va édifier certains, ça va aiguiser le discernement de d'autres. Mais je crois que ce soir, Dieu va nous faire sortir de ce Power Friday en nous rajoutant quelque chose. Je prie pour vous que vous ne sortiez pas d'ici comme vous êtes entré et que vous sortez d'ici révolté, mais surtout en ayant saisi votre autorité spirituelle dans la prière pour aller contre les œuvres de la sorcellerie au nom précieux de Jésus. Est-ce qu'on peut y aller Je voudrais lire avec vous dans le livre de Deux Rois au chapitre 9, le verset 22, particulièrement le verset 22 de Deux Rois au chapitre 9. Vous êtes toujours avec moi Deux Rois, chapitre 9. Je voudrais vous lire le verset 22. Deux Rois, chapitre 9. Merci Saint-Esprit. Je voudrais vous lire le verset 22, de deux rois au chapitre 9. Deux rois, chapitre 9, particulièrement le verset 22. C'est l'histoire de Jézabel, de Jéhu, euh, etc. Et de d'Élisée, à cette époque, donc, où Élie euh, est vieux, il oint Jéhu comme nouveau roi d'Israël, il oint Élisée comme prophète à sa place. Mais Élie de son vivant n'a pas pu vaincre Jézabel. Jézabel qui était l'épouse de akab euh, roi d'Israël, et... Euh, Lorsque Élie est avancé en âge, Dieu dit au prophète Élie où est Élisée comme prophète pour te remplacer en Israël, mais où également euh, euh, Jéhu comme prochain roi d'Israël pour régner sur la nation à la place de Achab. Et cette stratégie de Dieu euh, consistait à, à mettre fin au règne de Aqab, qui était un règne euh, 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 comment dire, qui était un règne idolâtre euh, à cause des, des idoles et des adorations qu'avait introduites Jézabel en Israël. et Mais cette onction de Jéhu et de Élisée devrait servir surtout à mettre fin aux œuvres et à la vie de Jézabel. Mais particulièrement au verset 22, je voudrais faire une, une emphase sur le verset 22. Il dit, dès que Joram euh, fut à portée de voix de Jéhu, il lui demanda, viens-tu pour la paix Et Jéhu lui répondit, euh, comment peut-il être question de paix Tant que durent les prostitutions de ta mère, Jézabel, et ses nombreuses ou ses innombrables pratiques de sorcellerie. Là, je pense que je suis dans la version du semeur, euh, la version de lui second dit certainement quelque chose d'autre. Mais la Bible dit, Joram, donc, était le fils de Achab et de Jézabel, lorsqu'il voit arriver Jéhu, il lui dit, est-ce que tu viens pour la paix, Jéhu Jéhu lui répond, comment peut-il être question de paix Tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses innombrables pratiques de sorcellerie. Et ses diverses, ses nombreuses, ses différentes, ses diverses pratiques de sorcellerie. Ces diverses pratiques de sorcellerie. Ces diverses pratiques de sorcellerie. J'insiste je, je, sur ce texte pour que vous puissiez bien saisir les notions importantes. Qui sont dessus. Je ne veux pas aller sur l'histoire avec vous, mais je voudrais surtout insister sur un fait. C'était que Jézabel, euh, 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 on la connaissait comme. J'en ai même parlé, je pense, il y a quelques mois. J'ai parlé de l'esprit de Jézabel. Mais l'une des choses qu'on a parfois ignorées au sujet de Jézabel, c'est que Jézabel pratiquait la sorcellerie. OK Jézabel pratiquait la sorcellerie. Mais, mais l'une des choses qui m'a choqué, c'est que, euh, 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 j'ai eu le répond, euh, elle, elle ne pratique pas juste la sorcellerie, mais il dit les diverses ou les innombrables pratiques de sorcellerie. En d'autres termes, il y avait différentes pratiques de sorcellerie que Jézabel pratiquait. Suivez-moi, commençons ensemble doucement et on va y arriver ensemble. Il y avait diverses pratiques de sorcellerie que Jézabel pratiquait. En d'autres termes, la sorcellerie peut prendre plusieurs formes, et plusieurs aspects, plusieurs pratiques peuvent être pratiquées sous plusieurs euh, euh, pratiques différentes, au point où Jézabel ne pratiquait pas une seule sorcellerie, mais elle pratiquait plusieurs ou diverses ou d'innombrables. Donc, innombrables, ça veut dire tellement nombreux qu'on ne peut pas calculer d'innombrables pratiques de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la sorcellerie Ce soir, on va exposer les œuvres de l'ennemi. Dis avec moi la sorcellerie, la sorcellerie. Pendant que tu écris la sorcellerie... Je déclare que tous ceux qui sont, peu importe les domaines de votre vie, dans lesquels vous êtes sous le poids, sous l'influence, sous la pression, sous les œuvres et sous les pratiques d'un esprit de sorcellerie, ce soir, en sortant de ce direct, la main de Dieu va vous libérer. J'ai dit la main de Dieu va vous libérer. Et la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Écrivez-moi en commentaire la sorcellerie. La sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie. Dans Galate au chapitre 5, le verset 19. Euh, J'ai été étonné de voir que la magie ou la sorcellerie, on peut utiliser plusieurs termes dans la Bible euh, selon les versions qui s'interchangent, la magie ou la sorcellerie est décrite dans Galates chapitre 5 au verset 19 jusqu'au verset 22, là où on cite ce qu'on appelle les fruits euh, ou les œuvres de la chair. Euh, on cite la magie ou la sorcellerie comme faisant partie des œuvres de la chair. Euh, les œuvres de la chair, au, au même titre que la convoitise, que l'impudicité, que la débauche, etc., etc. Euh, » Là où euh, j'ai vraiment été marqué, c'est que de nombreuses références bibliques font notion ou font cas de la sorcellerie. Et jamais dans la Bible, on n'a fait cas de la sorcellerie de façon positive. Certains veulent nous faire croire qu'il y a une sorte de magie positive et une sorte de magie négative. Mais jamais dans la Bible, écoutez-moi, il n'a été question de magie ou de sorcellerie sur le plan euh, d'un point de vue positif. La sorcellerie, en fait, à proprement parler, désigne. La capacité que ont des gens à interroger le sort, c'est-à-dire le destin, euh, ou à, à, à comment dire, à interroger euh, euh, le sort ou le destin, ou à, à avoir des pratiques qui ont tendance à modifier l'avenir, modifier les circonstances, influencer les circonstances, euh, connaître le futur, contrôler les événements et aller jusqu'à contrôler même les hommes dans la quête du pouvoir. Vous allez voir que si vous lisez attentivement la Bible, vous allez vous rendre compte que jamais la pratique de la magie et de la sorcellerie n'a quitté les palais de rois. Depuis l'Égypte jusqu'à Babylone, jusqu'à jusqu l'Empire romain, vous allez voir que tous les palais royaux avaient en leur sein des magiciens ou des sorciers. Et au point où euh, la fonction de magicien ou de sorcier auprès des rois était une fonction légitime, administrative. Vous allez voir par exemple lorsque Moïse entre dans la maison ou dans le palais de Pharaon, et lorsqu'il jette le bâton pour qu'il devienne des serpents, Pharaon dit également à ses magiciens, le mot magicien, c'est également des sorciers, c'est également des gens qui pratiquent hein, la magie, il dit également à ses magiciens de reproduire ce que Moïse venait de faire avec le bâton. On voit également lorsque Daniel arrive à Babylone, on voit qu'il avait à Babylone ce qu'on appelait des satrapes, c'était des magiciens qui travaillaient dans la cour royale et qui mettaient leur pouvoir mystique. Au, pouvoir, pardon, au profit de l'empereur de Babylone. Donc, dans tout l'empire, tous les empires qui se sont succédés dans la Bible, vous allez voir que la sorcellerie a toujours été proche du pouvoir, parce que les hommes de pouvoir ont très souvent utilisé la sorcellerie pour renforcer leur, leur, leur règne, leur autorité, leur pouvoir, pour affirmer leur contrôle sur les populations etc., etc., pour connaître l'avenir, co connaître le sort, pour influencer sur le sort, sur le futur, pour jouer sur l'avenir, pour modifier les circonstances, etc., etc. Et donc, par des enchantements, par des sorts, par des envoûtements, par des euh, potions magiques, par des rituels, par des pratiques de magie, on peut donc... Influencer la vie de quelqu'un, influencer la vie d'une nation, influencer un peuple, influencer le caractère de quelqu'un, influencer l'avenir, influencer le futur, influencer les circonstances et même les modifier. Est-ce que vous êtes bien avec moi Quelqu'un écrit en commentaire la sorcellerie. Je vais vous dire des choses très, 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 très graves ce soir. Très graves ce soir. Écrit en commentaire la sorcellerie, la sorcellerie. Écrit ça en commentaire. My God, my God, my God. Shabra dado, bra. Écris en commentaire la sorcellerie. Doucement, on va y arriver. Écris en commentaire la sorcellerie. La sorcellerie. Mais quand vous prenez l'histoire contemporaine du monde, la sorcellerie a toujours été soit acceptée, soit refusée en fonction des époques, en fonction des endroits, en fonction des circonstances, en fonction des cultures, en fonction des civilisations. Il euh, y a un moment où, en Europe par exemple, la sorcellerie a été pourchassée. Il euh, y a un moment en Afrique où la sorcellerie était acceptée. Etc, etc. Donc en fonction des époques, on a soit admis la sorcellerie ou soit on l'a rejetée. Il y a un moment en Occident par exemple où il y a eu ce qu'on appelait la chasse aux sorciers avec de nombreuses, de nombreuses sorcières qui ont été célèbres dans l'histoire européenne. Je me rappelle en France on parlait d'une certaine, euh, certaine Marie de Navarre, très célèbre sorcière en France qui a été son procès a été très célèbre, a été repris dans plusieurs films etc. Et donc plusieurs cas comme ça de, de chasse aux sorcières à une certaine époque en Europe où on, on, on pourchassait tous ceux qui étaient soupçonnés de pratiquer la sorcellerie et on allait jusqu'à les mettre en prison, on allait jusqu'à les tuer pour certains, etc. Et donc la sorcellerie à certains moments a été acceptée, à d'autres moments a été considérée comme une pratique négative mais ça dépendait de, de, de l'histoire, des réalités, des circonstances etc. Et, 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 et et mais on ne peut pas dissocier donc la sorcellerie des pratiques et des rituels parce que la sorcellerie, c'est là de vouloir influencer les circonstances, euh, influencer les hommes, contrôler les hommes, contrôler les circonstances, contrôler les événements. Mais ces événements, ces hommes et ces circonstances se contrôlent par des pratiques. Donc, on ne peut pas dissocier la sorcellerie de ce que parfois dans la Bible, on appelle la magie. Okay? La magie, donc, fait référence aux pratiques que la sorcellerie utilise pour atteindre ses buts. Le but de la sorcellerie c'est de contrôler les circonstances, c'est de créer les événements, c'est de créer euh, des, 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 des de jeter des sorts, influencer euh, le, le, le futur, l'avenir, le modifier, etc. Mais pour arriver à cet objectif, on, on pratique, on, on fait des pratiques et des rituels, et ces pratiques et ces rituels sont appelés la magie. Tout le monde dit la magie, la magie. Je vais vite parce que je veux de, dire des choses euh, très 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 importantes. Je pense que le vendredi prochain je vais plutôt insister sur, euh, sur les envoûtements, donc euh, sur les méthodes d'envoûtement. Je vais en parler un tout petit peu tout à l'heure. Vous allez voir qu'il y a des choses très graves. Écris la magie, écris la magie, écris la magie. Encore, je ne vais pas vous parler de magie noire, magie blanche, bon bref, euh, mais écris la magie, écris la magie. La magie, donc, ce sont les pratiques auxquelles ça, sur lesquelles s'appuie la sorcellerie pour atteindre euh, leurs objectifs. Quand on dit quelqu'un est sorcier, par exemple, ça veut dire qu'il a des pratiques. C'est pour ça que j'ai eu fait référence à Jézabel en disant des innombrables pratiques de sorcellerie parce qu'il n'y a pas de sorcellerie sans pratique magique, mystique ou mystérieuse. Donc, euh, la sorcellerie en elle-même c'est le concept, mais la magie ou les, les pratiques mystiques euh, sont celles sur lesquelles ça dosse, ça pue, la sorcellerie pour agir dans la vie d'un peuple, d'une nation, dans, sur les circonstances, sur les, les événements, etc., etc. Il y a il y a donc en tant que pratique euh, la, la magie a des supports. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. La magie a des supports et il y a premièrement ce qu'on appelle des supports externes ou extérieurs. Les supports extérieurs de la magie c'est ce qu'on appelle les astres, la, les planètes, les symboles, les chiffres, les nombres. Donc on peut avoir des pratiques de magie en influençant les planètes, les astres, etc., etc. Et euh, sur les astres, par exemple, vous allez voir, c'est la raison pour laquelle les Romains ont placé la semaine ou les jours de la semaine euh, sous l'influence des astres, notamment la Lune pour lundi, la Planète Mars pour mardi, la Planète Mercure pour mercredi, la Planète Jupiter pour jeudi, la Planète Vénus pour vendredi, la Planète Saturne pour samedi et la, le, le, euh, comment ça déjà le Soleil. Donc pour dimanche, Sunday en anglais, le jour du soleil. C'est pour ça que donc, les Romains ont placé les jours de la semaine sous l'influence des astres. Est-ce que vous me comprenez un tout petit peu Parce qu'on ne peut pas avoir de pratique magique sans support. Et parmi ces supports, il y a les astres, il y a les planètes, euh, il y a les chiffres et les nombres, euh, il, y a, il, y a, il y a les symboles hein, euh, pour atteindre euh, des... Pour, pour, des, pour faire des pratiques mystiques. Parfois, il faut s'appuyer sur des symboles, sur des chiffres, sur des nombres, etc. etc. Et, et parmi ces symboles euh, extérieurs, donc physiques, il y a, il y a ce qu'on appelle les éléments. Je vais aller pêle-mêle, et au fur et à mesure, vous allez voir que j'entrerai je dans les détails, et ça va vous aider à comprendre pourquoi est-ce que je vous dis tout ça. Euh, il y a ce qu'on appelle les choses magiques, donc ce sont des éléments. ok? Euh, la magie s'appuie beaucoup sur des éléments comme l'air, l'eau, le feu. Euh, euh, la terre et, euh, euh, et les différents éléments euh, ce qu'on appelle les quatre ou les cinq éléments le cinquième parfois c'est l'éther qui est utilisé euh, les quatre ou les cinq éléments très souvent sont utilisés par la magie pour influencer les circonstances influencer euh, les événements etc etc vous allez voir que par exemple on peut utiliser de l'eau on peut utiliser du feu on peut utiliser de la terre par exemple on peut etc etc et vous allez voir que comment est-ce qu'on voit que euh, toutes ces pratiques sont, euh, euh, sont euh, euh, comment dire ça Toutes ces pratiques sont euh, euh, dangereuses. C'est quand on voit leur effet dans le quotidien et leur influence dans la vie euh, de tous les jours des individus. Je vais vous montrer des exemples tout à l'heure, mais pour l'instant, écoutez-moi bien. Je ne suis qu'à l'introduction. Il euh, y a ce qu'on appelle également, il euh, y a ce qu'on appelle également euh, comment vous dire ça La magie astrale. La magie astrale. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, s'appuie sur les astres sur la lune, sur le soleil, sur les, les, les planètes. Et il y a ce qu'on appelle également, les, 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 parmi ces supports, il y a ce qu'on appelle les fumigations ou les parfums. Donc c'est là où on fait des encens, c'est là où on fait des parfums magiques. Ceux qui sont en Afrique savent par exemple qu'il y a des parfums que tu peux mettre sur toi et quand tu vas demander un travail, tu vas à un rendez-vous ou tu vas draguer une femme, le parfum va faire qu'on ne peut pas te refuser, etc., etc. Donc on utilise les fumigations, on utilise l'odorat euh, pour, pour placer des... Des, 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 des pratiques magiques des sorts des sortis, lancer des sortilèges lancer des envoûtements etc etc écoutez-moi très bien je vais vous dire des choses très 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 importantes on utilise aussi des chiffres ou des nombres magiques parce que parmi tous ces euh, tous les tous les toutes les pratiques euh, de la magie il y, y a parfois qu'on utilise des sons des formes on utilise parfois des principes vous allez voir par exemple que euh, dans les pratiques magiques on utilise souvent des formes comme l'étoile qui est semblable à l'étoile de David. On utilise parfois des formes comme euh, 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 le cercle. Euh, vous allez voir, il y, a des, il, y a des, il y a des mystiques qui parfois font des, des incantations en se mettant dans un cercle. Hein. Dans la magie, le cercle est symbole de la protection et de la, et de la, comment dit ça, de la propagation de, des ondes. Donc quand quelqu'un se met dans un cercle, ça veut dire qu'il veut propulser des énergies, mais il veut aussi se protéger de certaines énergies qui viennent. Donc on utilise aussi des formes physiques, géométriques, euh, euh, pour... Euh, faire des pratiques euh, magiques. On utilise aussi des signes, on utilise également euh, parmi ces supports la parole, on utilise la, les mots, les gestes. C'est pour ça que parfois, il y a des invocations qui sont faites. Euh, on invoque des, des anges, on invoque des, des esprits, on, on prononce des formules. Euh, quand vous regardez nos dessins animés avec nos enfants, il y a beaucoup de formules magiques qu'on... Qu qu'on prononce pour ouvrir des portes, pour ouvrir des, 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 portes, euh, des portes de temps, etc., pour débloquer des trésors, pour envoyer des génies. Donc il faut, faut dire un nom pour que le génie apparaisse, etc. etc. Donc on utilise aussi la parole pour euh, faire des pratiques mystiques. On utilise aussi les gestes. Donc euh, il y a la gestuelle, on utilise l'imagination, la volonté et toutes ces choses. Je vais être dessus rapidement parce que ce n'est pas vraiment ce de quoi je vais vous parlais ce soir, mais je veux toucher à ça pour que vous puissiez bien me comprendre plus tard. Euh, il y a également parmi ces supports, il y a des supports qui sont spirituels. Beaucoup de gens qui pratiquent la magie, la pratiquent parce que des entités spirituelles leur ont été euh, apparues, leur ont apparu, donc leur ont révélé la plupart de ces choses. Quand vous lisez la Bible dans Genèse, d'ailleurs, vous allez voir que la source de ces pratiques vient directement des inspirations. Diabolique, des révélations que les hommes ont eues à, à, avec des anges déchus ou avec des esprits. J'en ai parlé longuement dans la civilisation pré-adamique. Comment est-ce que les hommes ont rencontré des anges déchus Comment est-ce qu'ils ont euh, été en contact avec des entités spirituelles Et pour la plupart, quand vous lisez le livre des Nocs, par exemple, le livre des Nocs révèle clairement que euh, les, les anges déchus qui sont venus à la rencontre des, des hommes et des femmes sur la terre leur ont appris la magie, les sciences, euh, la botanique, la médecine, etc., etc. Donc, euh, il y a des, des vérités spirituelles qui ont été révélées à des hommes euh, sur la terre à, par l'intermédiaire d'entités spirituelles, diaboliques et démoniaques. Là, je veux faire un petit point pour avancer un tout petit peu dans mon message. Est-ce que vous êtes là Écris, je suis là. Écris, je suis là. Je ne fais que commencer, je ne vous ai absolument rien dit encore. Écris, je suis là, si tu es là. Merci, Seigneur. Écris, je suis là. Écris, je suis là. Écris, je suis là. Écrit, je suis là. Écrit, je suis là et je peux avancer. Écris, je suis là. Il y a un lien très fort ici sur lequel je vais insister un tout petit peu. Il y a un lien entre la révélation et, la divine, et, le, et le monde surnaturel. Euh, aucun homme sur la terre ne peut faire ce qui lui a été révélé. C'est pour ça que la Bible dit aucun homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. La Bible le dit en des termes euh, euh, spirituels divins. Mais. Les hommes peuvent également faire des choses qui leur ont été révélées par des entités qui sont spirituelles mais qui ne sont pas de Dieu. Donc aucun homme ne peut faire quelque chose, inventer quelque chose sur terre, si cette chose ne lui a pas été révélée à partir d'un être qui a accès au monde spirituel. Tous les hommes, écoutez-moi bien s'il vous plaît, tous les hommes qui ont fait quelque chose sur la terre, qui ont inventé, qui ont réalisé, qui ont eu du pouvoir, de l'autorité et de l'influence sur la terre, L'ont reçu d'une entité spirituelle. Écoutez-moi, c'est pour ça que la Bible dit un thème ou un verset qui est très, très, très important dans Proverbe chapitre 25, le verset 2. Il dit La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses que Dieu cache. Écoutez-moi bien. Quand on lit ce texte dans la version de Louis II, on ne comprend pas assez bien. Je vous lis ça dans la version de Semeur. Il dit La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées la gloire du roi c'est de s'inquérir soigneusement de ces choses donc la gloire d'une entité spirituelle réside dans le fait que elle a accès à des connaissances que les hommes n'ont pas écoutez-moi ici s'il vous plaît c'est très important à partir de là la gloire de Dieu c'est de tenir certaines choses cachées et la gloire des rois est de sonder soigneusement les choses que Dieu cache en d'autres termes, je vous dis ceci. Quand Dieu faisait le monde, il y a des informations, il y a des vérités, il y a des pratiques, il y a des choses que Dieu voulait tenir cachées à l'humanité. Il y a certaines choses qui devaient rester éternellement cachées aux hommes et il y a d'autres choses par contre qui devaient être révélées progressivement dans un temps aux hommes. C'est pour ça que regardez, la Bible dit, quand on révèle Jésus dans Galates chapitre 4, verset 4, on dit quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né d'une femme, né sous la loi. En fait, ce que Galate est en train de dire, c'est que Jésus qui a toujours existé spirituellement, le temps de sa révélation est arrivé, Dieu l'a manifesté en chair pour que les hommes aient accès à lui. Pourtant, Jésus s'est montré sous une forme spirituelle à Moïse, à Josué, à Abraham, qui ne l'ont pas reconnu. Parce que il y a toujours un temps pour Dieu pour cacher certaines réalités spirituelles, il y a un autre temps pour les exposer. Et par contre, il existe d'autres réalités qui ne devaient jamais tomber à la portée des hommes. Lorsque les anges déchus arrivent sur terre, ces réalités spirituelles, ils les enseignent aux hommes. Et parmi elles, toutes ces pratiques de sorcellerie, de magie et de mysticisme ont été révélées par des démons et des esprits qui ont eu accès à des hommes et qui leur ont révélé certaines informations qui, pour Dieu, devaient rester cachées. La gloire de Dieu, je répète, c'est de garder certaines choses cachées, garder certaines choses cachées, garder certaines choses cachées. Pourquoi Parce que les amis, il y a certaines vérités surnaturelles. Dès que vous avez accès à elles, elles corrompent votre cœur. Hum. Je répète, il y a certaines vérités spirituelles. Dès que vous avez accès à elles, elles peuvent corrompre votre cœur. Et Dieu ne voulait pas que l'homme se détourne de lui. C'est pour ça qu'il y a certaines réalités spirituelles que Dieu voulait garder cachées aux hommes jusqu'à ce que soit le temps arrive, soit il ne le révèle jamais. Ok? Tout ce qu'un homme reçoit... Écoutez, toute révélation divine qui vient dans la vie d'un homme a besoin de s'accompagner d'un niveau de caractère. C'est pour ça, regardez, euh, quand quelqu'un opère un miracle, l'orgueil monte dans son cœur. Quand un homme euh, commence à manifester le charisme, les dons spirituels, il a besoin d'un niveau correspondant de caractère, de maturité pour bien manifester et garder les dons qu'il a reçus. Parce que toutes les manifestations surnaturelles auxquelles un homme a accès, il a besoin que son cœur soit préparé à tenir avec. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Donc, un homme qui a accès à des connaissances mystiques et mystérieuses ne peut pas... Continuer à marcher avec Dieu si son cœur n'est pas avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu voulait garder cachées aux hommes, parce qu'il savait que les vérités spirituelles ont un poids sur le cœur de l'homme. Elles peuvent le détourner de Dieu. Okay? Par contre, lorsque les, les anges déçus et les démons ont accès donc aux hommes, il leur révèle certaines de ces réalités spirituelles. Et vous allez voir que les choses comme la magie, la sorcellerie, les pratiques mystiques et tout le reste ont été révélées pour la plupart à des hommes, par des entités spirituelles, soit des anges déçus, soit des démons, soit des entités, soit des dominations qui, pour la plupart, je passais sur ce point pour aller vers euh, dans le cœur de ce que je vais vous partager ce soir. Est-ce que vous êtes là? Si tu l'as écrit, je suis là. Je vais maintenant m'attaquer à des choses très graves. Si tu l'as écrit, je suis là. Les de vos Si tu l'as écrit, je suis là, écris, je suis là. Écris, je suis là, écris, je suis là. Écrit, je suis là. Hum. Écris, je suis là, s'il vous plaît. OK? OK. Je vois que vous êtes connectés. Je ne lis pas vos commentaires. Laissez-moi aller euh, vers ce que je vais vous dire. Euh, L'une des choses dangereuses de laquelle je vais vous parler ce soir et vendredi prochain, c'est l'envoûtement. Tout le monde connaît la sorcellerie au point où, euh, on, on, on a, avec l'exemple de la dame qui dit. Euh, on a mangé mon enfant, après il faut manger son enfant aussi. Donc tout le monde connaît cet aspect de la sorcellerie où on veut tuer les hommes, où on veut leur faire du mal, où nos parents au village ou euh, dans notre entourage veulent nous tuer, veulent nous sacrifier pour avoir des, des grades et des galons spirituels. Euh, tout le monde connaît cet aspect de la sorcellerie où on t'en veut euh, par jalousie, on veut te faire du mal, on veut t'arrêter dans ta destinée. Tout le monde connaît ça. Si je viens parler de ça ce soir, certainement que certains d'entre vous vont se déconnecter parce que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Euh, C'est rien de nouveau pour la plupart d'entre vous. Ce que je vais vous dire ce soir est vraiment quelque chose de d'inédit et de très important concernant les envoûtements particulièrement. OK Les envoûtements particulièrement. Vous savez, il n'y a pas de sorcellerie sans envoûtement. Euh, et les envoûtements font partie des pratiques les plus dangereuses au niveau de la sorcellerie. Euh, mais. L'une des choses que les chrétiens ignorent, c'est que tout le monde connaît la sorcellerie à une échelle nationale, continentale. Euh, donc on connaît la sorcellerie quand on est africain, quand on est africain, ivoirien, euh, noir, etc. Mais il euh, y a un niveau de sorcellerie que la plupart d'entre nous, en tant que chrétiens, ignorons tous. Que nous soyons en France, en Égypte, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, aux États-Unis, en Chine, il y a une sorcellerie qui nous concerne, nous tous, que nous ignorons tous et sur laquelle... Je voudrais aller avec vous ce soir. Est-ce que vous êtes là sur laquelle je voudrais aller avec vous ce soir Il y a plusieurs façons d'envoûter par la sorcellerie, mais l'une des plus dangereuses, c'est manger et boire. C'est pour ça que la plupart des rêves au sujet de la sorcellerie qu'on fait ont très souvent à trait à la nourriture ou à la boisson. Euh, très souvent, quand certains rêvent euh, d'être en train de se faire nourrir euh, ou en train de manger. Euh, etc, etc. La plupart du temps, pas tout le temps, la plupart du temps, parce que Dieu également dit dans le psaume, je dresse une table pour toi en face de tes adversaires, donc la nourriture ne veut pas tous les jours dire la sorcellerie aussi. Mais la plupart du temps, quand on est en train de manger en rêve, on est soit en train d'être initié en sorcellerie, ou soit en train d'avoir des propositions ou des pressions des esprits de sorcellerie sur notre vie. Parce que l'une des choses la plus dangereuse avec laquelle on en voûte, c'est manger et boire. Tout le monde dit manger et boire. Écris ça en commentaire, mangez et boire. Mangez et boire. Mangez et boire. de de sadakadava. Écris ça en commentaire, mangez et boire. Mangez et boire. manger et boire. 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 Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Tout ce qui entre dans l'homme, selon Marc chapitre 7, c'est ce qui le souille. Ok? Mangez et boire. Est-ce que vous êtes là? Ok, je lis vos commentaires, super. D'accord. <laughs> D'accord, ok, ok. C'est bon. <laughs> manger et boire, manger et boire, manger et boire. Et je vais vous montrer juste deux exemples bibliques sur ce point. Manger et boire. Regardez, ce que tu manges ou ce que tu bois peut dénaturer ton ADN sur le plan spirituel, peut te faire basculer dans une partie du monde. Écoutez-moi s'il vous plaît. Peut déclencher quelque chose dans le monde spirituel. Premier exemple que je vais vous montrer. La Bible dit ceci. Dieu fait un jardin dans Genèse et il met deux arbres dans le jardin et il dit à Adam et Ève, mange des fruits de l'arbre de la vie, mais ne mange pas des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort dont Dieu parle n'est pas un événement. La mort dont Dieu parle est un état spirituel. Ça veut dire que Adam et Ève allaient changer de nature spirituelle après avoir mangé l'arbre son fruit. Comment est-ce qu'une nourriture peut changer le métabolisme, donc la constitution, la nature spirituelle d'un homme Comment quelqu'un peut manger un arbre, le fruit d'un arbre et après avoir mangé, il peut passer et basculer des côtés, du mauvais côté du monde spirituel Il dit, quand tu vas manger les fruits de ce arbre, tu vas mourir. En d'autres termes, il y a des nourritures. Écoutez, s'il vous plaît, il y a des nourritures. Où il y a des choses qui vous passent par voie orale et qui vont dans votre intestin et dans vos digestifs qui peuvent changer votre, votre état et votre nature sur le plan spirituel. Est-ce que quelqu'un est avec moi Quelqu'un dit manger et boire, manger et boire, manger et boire. La plupart des gens qui ont été envoûtés, les jeunes gens et tout le reste qui ont été envoûtés, euh, 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 la plupart sont passés euh, par des envoûtements par la nourriture. Les enfants qui ont été initiés pour la plupart à la sorcellerie l'ont été avec de la nourriture. Faites très attention là où vos enfants mangent. Faites très attention à ce que vous-même vous acceptez de manger. Chez qui vous acceptez de manger Quel genre de nourriture vous acceptez de manger La plupart du temps, les plus, les plus grandes parties des envoûtements se sont faites par la nourriture. C'est pour ça que la Bible dit, même pour manger, il faut rendre grâce. Même pour manger. Il prit le pain, il rendit grâce à Dieu. Parce que Jésus lui-même sait qu'il n'a pas été celui qui a fabriqué le pain. Et donc, il ignore dans quelles conditions, avec quelle intention, avec quelle euh, incantation, quelle forme de puissance mystique et spirituelle pourrait accompagner ce qu'il va mettre dans la bouche des gens qui vont manger. Il prit le pain, il rendit grâce à Dieu pour le pain. Frère, il n'y a aucun repas qui est... Qui est qui, qui mérite que tu le sous-estimes. Tu payes de la nourriture dans la rue, bénis Dieu avant de manger. Ah. Mm -mm. C'est pour ça que la Bible, quand Jésus, quand, pardon, Paul parle de, 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 des animaux sacrifiés aux idoles, il dit la question n'est pas de manger ou de ne pas manger. La question c'est que quand vous rendez grâce à Dieu pour une nourriture, quoi qu'elle ait été consacrée à un démon, cette nourriture est sanctifiée. L'antithèse ou le non-dit de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens ici, c'est que toutes les nourritures consacrées pour lesquelles vous ne rendez pas grâce peuvent vous envoûter. Je mens ou je mens pas Paul dit consacrer ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de rendre grâce à Dieu avant de manger le repas consacré. Tant que vous rendez grâce, le repas est sanctifié. Et même si des invocations étaient faites, le repas ne vous envoûte pas. Imaginez donc si vous ne rendez pas grâce, si vous ne confiez pas le repas, aussi insignifiant soit-il, vous ne le confiez pas à Dieu. Parce que la voie de la nourriture est l'une des voies les plus dangereuses en termes d'initiation et d'envoûtement à la sorcellerie. L'envoûtement n'est pas tous les jours dans le sens de l'initiation. On initie pour que la personne commence à pratiquer, mais on envoûte pour prendre le contrôle de la personne. Donc la plupart des gens, soit ont été initiés, pour que eux mêmes deviennent, hein, entrent dans les pratiques de sorcellerie, ou ont été envoûtés, de sorte qu'on puisse te contrôler ou contrôler un aspect de ta vie après avoir mangé cette nourriture. Je prie pour quelqu'un ce soir, que toute forme d'envoûtement qui a été faite par la nourriture, je déclare et je décrète que la main de Dieu te libère ici maintenant, pendant que nous sommes en direct au nom de Jésus. Dis-moi, Amen, s'il te plaît, invite encore des gens. Invite encore des gens, je n'ai encore rien dit. Invite encore des gens, je vais aller vite. Invite encore des gens, invite encore des gens. Comment est-ce qu'un repas pouvait changer l'état Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Ah, vous sous-estimez ça. Comment est-ce qu'un repas, une nourriture, peut changer l'image de Dieu en un homme La Bible dit que le péché est entré par un homme, c'est Adam. En d'autres termes, la nature de pécheur. Qui a été communiqué à toute l'humanité est entré à cause d'un repas. Le péché dans le monde est entré à cause d'un repas. À cause d'une nourriture. Frère, si tu sous-estimes la nourriture, tu n'es pas spirituel. C'est pour ça que l'une des, des choses que j'enseigne toujours à mes enfants, il y a deux choses. Quand vous voulez servir Dieu, il y a deux choses que vous devez maîtriser. Enfin, il y en a plus. Mais il y a deux choses que je répète tout le temps. Premièrement, la nourriture. Deuxièmement, le sommeil. Faites très attention avec ces deux choses. La nourriture, les gens qui mangent sans se contrôler, regardez, les gens qui mangent sans se contrôler, les gens qui mangent sans se contrôler, risquent d'être envoûtés rapidement. Regardez ce qui se passe avec la nourriture dans le cas de Jacob et de son frère Isaac, euh, pardon, et son frère euh, Esaü, hein, avec leur père Isaac. Euh, Jacob et Esaü. Jacob, elle est née, euh, pardon, qu'est-ce que je raconte Ésaü elle est née. Il a le droit d'aînesse, excusez-moi. Esaü, elle est née, il a le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, tout le monde dit, tout le monde dit quoi, le droit d'aînesse Le droit d'aînesse, c'est un droit spirituel. Ça veut dire, il n'y a pas, il a pas une, il y a pas, comment dire, ce pas une bague que vous portez, c'est pas euh, un droit que vous avez à la mairie, non. C'est, le droit d'aînesse, c'est une position dans le monde spirituel. Et est-ce que vous êtes avec moi On appelle ça la position... Euh, 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 comment s'appelle la prééminence dans le monde spirituel. Donc, quand on dit que quelqu'un a le droit des ça veut dire que sa position de premier lui confère un droit dans le monde spirituel. Et à cause d'un repas, la Bible dit que Ésaü affamé rencontre et il rencontre son frère Jacob. Jacob lui donne le repas que Ésaü, son frère, lui demande pendant qu'il a fait en retour, Jacob pose une condition. Il lui dit Je te donne ce repas, tu me donnes ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, est-ce que c'est quelque chose de matériel qu'on peut donner Non. Le droit d'aînesse est spirituel. Mais dès que Esaü dit oui et qu'il mange le repas, le droit d'aînesse est transféré de Esaü à Jacob. Comment est-ce qu'un repas physique peut faire basculer le droit d'aînesse dans la vie d'un homme vers la vie de son petit frère. Comment? Comment un repas physique peut faire basculer le droit d'Ainès de la vie du plus âgé vers la vie du, du moins âgé? Dès cet instant, Jacob a pris le droit d'Ainès et Esaü a disparu de la circulation de l'histoire biblique. Vous allez lire à partir de ce texte Esaü se perd. Et l'histoire biblique continue avec Jacob. Parce que spirituellement, il y a eu un transfert dans le monde spirituel dès l'instant où il a ouvert sa bouche et il a mangé le repas. Pourquoi Parce que Jacob avait parlé, il avait posé des conditions, il avait donné des instructions à ce repas avant qu'Esaïe le prenne. Il y a des repas sur lesquels on a posé des conditions, on a posé des conditions, on a posé des conditions. Je déclare ce soir que tous les repas de ce genre, que vous avez mangé et qui vous ont fait perdre quelque chose dans le monde spirituel, que la main de Dieu vous restaure ce soir. Ce soir, Dieu va restaurer quelqu'un. Tu ne me dis pas amen. Oh, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Continue à partager. Continue à partager. Dis-moi un bon amen. Continue à partager. Je veux vous dire des choses graves. Continue à faire monter le chiffre. Merci Saint Esprit. Manger et boire. Eh, hey. mais. Là, je parle de manger. Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples, mais le temps ne nous permet pas. Mais même avec boire, faites très attention. Même avec boire. Ok. Genèse chapitre 30, verset 37. Jacob prit des branches vertes de peupliers, d'amandier et de platane. Il prend des branches de trois arbres différents. Écoutez, s'il vous plaît. Il pèle. Hein, des bandes blanches mettant à nu le blanc. Donc il prend les, les branches des, des trois arbres, il enlève le, les écorces et il met à nu le blanc qui est à l'intérieur des branches. Et regardez ce qu'il fait. Au verset 38, il plaça les branches des arbres qu'il avait pelées là. Il les plaça dans les auges et dans les abreuvoirs sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur. Et les brebis. De Jacob, après avoir bu l'eau dans laquelle Jacob avait mis des branches pelées de trois arbres, on, on cite, on mentionne clairement les trois arbres qui ont été utilisés des peupliers, des amandiers et des, et des, okay? des platanes. Les trois arbres pelés, il met les branches dans l'eau et lorsque les bêtes qui n'enfantaient pas, qui n'était pas en période de fécondité viennent boire elles commencent à être fécondes donc elles, le corps de ces animaux oh my god my god help me. le corps de ces animaux n'était pas en période de fécondité et de et de euh, comment on dit ça de fécondation euh, et de et en période pour se multiplier vous savez que les animaux ont des saisons. Hein, on appelle ça des saisons de chaleur chez certains, chez certains animaux. On n'était pas en saison pour que les animaux se multiplient et deviennent, deviennent féconds. Mais après avoir bu l'eau dans laquelle il met les trois branches, dès qu'il boit, le, le métabolisme de l'organisme de ces animaux-là commence à se modifier automatiquement. Regarde, on peut modifier les réalités génétiques, spirituelles de la vie de quelqu'un par ce qu'il mange et par ce qu'il boit. Donc quelqu'un qui est stérile peut être peu enfanté. Imaginez donc que quelqu'un qui est enfante peut devenir stérile à cause de ce qu'il a bu. Les amis, écris manger et boire, écris manger et boire. Pendant que je suis en train de dire ces choses, tout ce qui a été fait dans ta vie à travers la nourriture ou la boisson est paralysé ce soir. Toute forme d'envoûtement qui fait que tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu n'arrives pas à être fécond, tu n'arrives pas à être productif, ou spirituellement tu as baissé de niveau, ou tu as perdu des richesses, ou quoi que ce soit qui t'ait été volé. Je déclare ce soir que la main de Dieu te libère de ces envoûtements au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, amen, je vais avancer. On peut donc contrôler le, la génétique, le caractère, les réactions à travers ce qu'on mange ou ce qu'on boit. Où est-ce que je vous envoie Je vous envoie ce soir et c'est sur ça que je veux mettre l'emphase pour aller vers la fin de mon message et prier avec vous. Euh, je vous envoie vers ce que j'appelle une forme de sorcellerie. Qui a très rarement ou presque jamais été révélé à l'Église. Et en partant de ces principes, le Seigneur a commencé à me parler. Écoutez, j'ai un fardeau pour le corps de Christ. Et les messages que le Seigneur me donne ne sont parfois pas pour mon Église. La plupart du temps, elles sont pour l'Église, corps de Christ en général. Le mandat apostolique que Dieu a déposé sur ma vie fait que la plupart de certains messages que j'ai et que je reçois du Seigneur, ce sont des messages qui ne parlent pas juste à l'Afrique ou à mon pays, mais ce sont des messages qui concernent l'Église en tant que corps de Christ. Et ce soir, je vais vous parler en tant que corps de Christ, en tant qu'Église. Ce que je vais dire ici nous concerne nous tous et doit servir à ouvrir notre esprit, à aiguiser notre discernement pour que nous soyons efficaces dans l'exercice de l'autorité spirituelle. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Quand le Seigneur a commencé à me révéler ses principes de manger et de boire, et d'envoûtement par le manger. Il y a beaucoup de formes d'envoûtement. Vendredi prochain, je vais insister sur d'autres formes d'envoûtement, euh, telles que euh, le sexe, telles que. Euh, les... Aujourd'hui, j'en parlais de j'en de deux ou trois, et, et, et on va on va terminer vendredi prochain. Mais lorsque le Seigneur insistait sur le fait de manger et de boire, le Seigneur m'a dit il y a une forme de sorcellerie que vous ignorez aujourd'hui, et qui pourtant est l'une des plus dangereuses, plus dangereuse que celle après laquelle on prie dans nos églises les, contre les esprits ou la forme de sorcellerie qu'on chasse dans nos assemblées, euh, dans nos sorcelleries familiales, régionales, nationales, nationales ou continentales. Il y a une forme de sorcellerie qui est une sorcellerie globale. C'est une sorcellerie à l'échelle mondiale. C'est une sorcellerie que l'église, pour la plupart, ignore et donc à laquelle l'église ne peut pas s'attaquer. Est-ce que je peux vous parler ce soir Écris avec moi la sorcellerie. Dieu va nous exposer les œuvres de la sorcellerie ici ce soir. Écris la sorcellerie la sorcellerie. Chabré ma soupande vos chada dia daba. La bréada zépetez vos cha. Écris la sorcellerie la sorcellerie. Écris la sorcellerie. Cha la brada zépetez chadia. Hmm. 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 Merci Saint-Esprit. OK. 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 Merci Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs événements qui ont attiré mon attention et sur lesquels le Seigneur m'a fait revenir pendant qu'il m'enseignait ce message sur la sorcellerie. Euh, il y a eu ce qu'on appelle il y a quelques années les printemps arabes. Et dans les printemps arabes, euh, tous les peuples du Golfe, en tout cas la plupart des peuples du, du Maghreb et du Golfe arabique, se sont soulevés contre les régimes en place. Euh, pour la plupart, le monde arabe est l'une des parties du monde qui résiste encore à l'instauration de la démocratie. Vous allez voir que euh, la démocratie a pris ses racines presque partout ailleurs dans le monde, mais dans certains pays comme l'Égypte à l'époque, euh, il n'y a pas très longtemps, comme euh, euh, le Koweït, le Bahreïn et tout le reste, la démocratie n'a pas encore pris vraiment ses racines dans le monde arabe et dans le Maghreb, n'est-ce pas Et il y a eu, il y a quelques années, je pense il y a trois ou quatre ans, je ne sais plus, ça fait combien de temps déjà, euh, il y a eu ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et dans le printemps arabe, plusieurs nations, la Tunisie, l'Égypte, euh, le Maroc, a failli être frappé un tout petit peu par ces vents de contestation populaire, où les populations, les peuples dans ces nations-là, réclamaient plus de liberté, plus de droits et plus de démocratie. Des pays comme le Bahreïn, le Koweït, le Yémen ont été touchés et les populations se sont soulevées massivement dans la même période, dans le même intervalle de temps. Euh, plusieurs nations, une dizaine de nations arabes ou maghrébines se sont soulevées pour réclamer la liberté d'expression, les droits de la femme, la démocratie, etc. etc. Et à cette époque déjà, le Saint-Esprit m'avait interpellé sur le fait que euh, comment est-ce que tout un peuple peut avoir au même moment les mêmes aspirations. Je répète, comment est-ce que tout un peuple de toute une région du monde peut avoir au même moment les mêmes aspirations euh, Comment est-ce que euh, les envies de plusieurs peuples, de plusieurs nations, peuvent coïncider au même moment de l'histoire Et le Seigneur a commencé à m'instruire sur ce qu'on appelle la manipulation comportementale et Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le Seigneur a commencé à me dire par le Saint-Esprit qu'il y a un niveau de sorcellerie où on n'envoûte pas les individus, où on envoûte les peuples. OK Et lorsque des peuples sont envoûtés, on peut donc contrôler, manipuler. Rappelez-vous que l'objectif de la sorcellerie est de contrôler, de manipuler, de créer les circonstances, de les, ma de les maîtriser de les inventer ou même de les changer. Et on peut donc contrôler des gens. Si on peut contrôler une personne avec un envoûtement, alors il y a un niveau, il y a une échelle de sorcellerie globale, mondiale, par laquelle on peut contrôler toutes les nations et tous les peuples de la Terre en même temps, par des pratiques de sorcellerie globale. C'est donc une sorcellerie où les sorciers ne volent plus sur des balais où les sorciers ne mettent pas des caolins sur eux et sont dans la brousse, mais c'est une sorcellerie de niveau où ceux qui pratiquent cette sorcellerie sont en costume et en cravate. Et par des pratiques très évoluées d'envoûtement, on peut contrôler les populations mondiales et faire avancer le, 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 le monde vers les décès de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Ordre Mondial. Pour emmener un règne et un gouvernement diabolique sur la terre. Les modifications comportementales existent. Les manipulations de masse par le comportement et par d'autres méthodes existent également. Et ces pratiques sont des pratiques de sorcellerie. Derrière toutes ces contestations populaires, ces contestations nationales, continentales, parfois on peut manipuler des régions du monde pour que la guerre ne s'arrête pas, pour que les haines soient attisées. On peut contrôler les populations pour que les populations d'une tel, telle région du monde et une telle région du monde se détestent au point où ils aillent jusqu'à se tuer entre les Hutus et les Tutsis, entre les, 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 les chrétiens parfois dans certaines nations et les musulmans. On peut activer les, les, les manipulations pour que les hommes se détestent et fassent des choses qui rentrent dans le plan et dans le cadre d'un agenda global contrôlé par Satan. Et par ses généraux sur la terre. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce que je vais vous dire ici, je vais vous montrer ça par la Bible. Euh, euh, je vais vous montrer ça par la Bible, et je vais vous exposer ces réalités très, très, très graves. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que on a eu du mal à démarrer ce live, et pourquoi est-ce qu'il y avait des pressions sur ce direct et sur ce message de ce soir. L'une des choses, les deux choses par lesquelles je veux commencer, je vais vous dire trois ce soir, et vendredi prochain, je vais vous dire le reste. Les trois choses par lesquelles je veux commencer, la première de ces choses, euh, qui est euh, une méthode d'envoûtement de masse, c'est la sorcellerie globale, c'est la science au profit de la, de la sorcellerie. Euh, le premier élément qui va dans le sens de boire, parce qu'on peut envoûter, premièrement, en buvant quelque chose, deuxièmement, en mangeant quelque chose. Et les deux niveaux de sorcellerie mondiale avec manger et boire sont, euh, comment dire ça, manipulés par deux industries à travers le monde. Premièrement, l'industrie pharmaceutique. Deuxièmement, l'industrie agroalimentaire. En contrôlant la nourriture mondiale, on peut contrôler les envoûtements à une échelle mondiale. Et donc, on a inventé des sciences pour maîtriser ce que les hommes vont manger et vont boire. De... Il y a deux choses que tous les hommes mangent ou boivent, ou plutôt boivent. Il y a les boissons classiques, donc l'eau, euh, les sodas, la, euh, voilà, la coca, la bière, les vins et tout ça. Il y a une industrie, ça, tout ça c'est l'agroalimentaire, donc tout ce qui est sucrerie, boisson, vin, bière, nourriture, ça c'est l'agroalimentaire. Ça, c'est tout ce qu'on met dans la bouche pour se nourrir. Mais il y a aussi ce qu'on met dans la bouche pour se soigner. Ça, c'est l'industrie pharmaceutique. On boit aussi, quand on veut se soigner, on boit également des remèdes, des médecines, des drogues, des potions, je ne sais pas comment on les appelle, des médicaments. Donc, toute l'industrie pharmaceutique, premièrement, et toute l'industrie agroalimentaire ont été contrôlées, infiltrées, ont été... Maîtrisée par la sorcellerie mondiale. Écoutez-moi, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vais vous montrer des choses ce soir. Pour passer à une échelle d'envoûtement global, on ne veut plus envoûter des individus, on veut envoûter des peuples et des nations entières pour garder le contrôle sur elles. Mmh. My God, est-ce que je peux dire ça ici? Vous êtes prêts, avant avance, apôtre. Je peux aller? Hum. Merci, Seigneur. Dans Galates au chapitre 5, le verset 20, le terme qui est utilisé, et là, ça m'a vraiment choqué. Là, ça m'a vraiment choqué. Galates chapitre 5, le verset 20. Vous pouvez lire ça ou mettez-moi le, mettez le texte en commentaire, s'il vous plaît. Quand vous prenez la version de Semeur ou la version de Darby, le mot « magie » est remplacé par le mot « sorcellerie ». Mais si vous allez dans le « strong », donc dans le, dans le mot euh, grec utilisé pour parler de la magie ou de la sorcellerie, euh, <coughs> le mot grec qu'on utilise, c'est le mot « pharmakeia ». Le mot « pharmakeia » est utilisé pour parler de l'administration ou de l'usage de drogues ou de médicaments. Ok donc, de, substan de substances médicamenteuses. Ou c'était utilisé également pour parler d'empoisonnement. Ça veut dire empoisonnement. Pharmakeia. C'est le mot qui a donné euh, pharmakeus, qui veut dire pharmacien en français, ou qui veut aussi dire enchanteur, ou sorcier, ou magicien. En fait, dans le mot grec, le mot sorcier qui est utilisé, ou sorcellerie qui est utilisé dans Galat chapitre 5, au verset 20, donne la même racine que le mot pharmacie ou pharmacien qui est utilisé dans le français actuel. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la pharmacie C'est l'utilisation, c'est la science qui met ensemble les médecines, les potions, les drogues, les médicaments et les, les, comment dit, les recettes ou les remèdes qui conditionnent les remèdes pour qu'on puisse les administrer ou les utiliser en vue de guérir des maladies. Mais même avant avant l'état actuel, on les utilisait même pour empoisonner des gens et pour jeter des sorts. Aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, il y a des, des substances pharmaceutiques que vous pouvez aller acheter en pharmacie pour empoisonner quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, des choses comme la cyanure se vendent euh, en industrie pharmaceutique. C'est des, des poisons. En fait, le mot pharmacie parle de. Si vous prenez le mot anglais, vous allez voir que le, les médicaments, les comprimés ou les médicaments en anglais ça se dit drugs. Donc, ce sont des drogues. En fait, les médicaments sont des drogues. Les médicaments sont des potions. Ce sont des poisons les médicaments. Euh, parce qu'en fait, en pharmacie ou même dans euh, la création de remèdes pharmaceutiques ou de médecine, euh, on crée, on crée, on, si on peut. Créer une potion pour soigner une maladie, on peut créer ce qu'on appelle. S'il y, y a un antidote, c'est parce qu'il y, y a un dote, en fait. Donc, l'antidote vient pour régler le poison. Donc, on peut empoisonner et on peut euh, guérir de l'empoisonnement avec la dote ou le dote et l'antidote. Okay? Donc, les, les, les drogues ou les médicaments, en fait, sont à la fois capables. D'empoisonner quelqu'un ou de le guérir de cette maladie. Je vais essayer de vous expliquer ça simplement et tranquillement, vous allez bien me comprendre. Euh, quand vous prenez des médicaments, comme les médicaments qui sont censés guérir la grippe, par exemple, je ne vais pas citer de nom ici pour ne pas faire de publicité, parce que si on ne fait pas de publicité à la télé, ce n'est pas sur ma page Facebook qu'on va faire de la publicité. Euh. Les médicaments qu'on prend en pharmacie pour soigner la grippe, pour la plupart, hein, la grippe euh, avec, mélangée avec du rhume, la plupart de ces médicaments, quand vous les prenez, vous allez vous rendre compte que l'effet automatique de ces médicaments, c'est qu'ils vous endorment. Les médicaments euh, de grippe ordinaire, conventionnelle, quand vous les prenez pour guérir votre rhume et votre grippe, pour décongestionner votre tube nasal, il va vous endormir. Donc, il va vous mettre dans un état de fatigue et de lourdeur. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. C'est qu'en prenant les médicaments, votre état change. Et rassurez-vous d'une chose. C'est que les comprimés que vous voyez là sont des faibles doses, des potions immenses que on fabrique pour soigner cette maladie. En d'autres termes, si tu prends 5 comprimés, du comprimé que tu as pris, en ayant pris un comprimé, tu es drogué. Imagine si tu en prends cinq. Dans quel état tu te retrouves? Si tu prends cinq comprimés de médicaments censés soigner la grippe, imagine dans quel état tu te trouves. Il y a des médicaments de grippe, quand vous les prenez, vous avez l'impression d'être groggy. La langue qui est lourde, les, les paupières qui se ferment seules, vous perdez vos forces jusqu'à ce que le médicament est paralysé la maladie. Parce que la médecine ou la, le, le remède que vous utilisez là va modifier votre métabolisme. Oh my God, je vais arriver à ça tout à l'heure. Est-ce que c'est bon? Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Certains médicaments du paludisme font la même chose. Certains médicaments qu'on administre aux gens qui doivent être opérés, par exemple, hein, euh, vous n'imaginez pas comment est-ce qu'on peut vous administrer un médicament et on vous opère. On vous administre un médicament et on vous déchire et vous ne sentez plus la douleur. Vous trouvez ça normal Vous pensez que ça, c'est naturel on doit vous opérer. Vos yeux sont ouverts. Avant, les anesthésies se faisaient endormis mais maintenant, on les fait éveiller pour la plupart. Vos yeux sont ouverts. On vous anesthésie. Donc, on vous administre une potion pharmaceutique. Et après avoir été euh, administré de cette potion-là, vous avez les yeux ouverts. Vous assistez à votre opération. Les yeux ouverts. Vous ne sentez aucune douleur. Aucune douleur. Il m'est même arrivé, pour ceux qui sont africains, moi je l'ai vu de mes yeux, j'en parlais le dimanche à l'église, je l'ai vu de mes yeux, il existe des, des euh, pratiques de magie et de mysticisme où on, on appelle ça des médicaments, ou des fétiches en Afrique, où tu peux te mettre des potions hein, et puis tu ne sens plus les douleurs, les machettes, les couteaux, on te pique, on peut même tirer des balles réelles sur toi. Et les balles ricochent. Donc, il existe dans le monde mystique et surnaturel la capacité de tuer la douleur dans le corps d'un homme. Et la médecine est capable par des. La médecine est capable par des. Euh, comment ça s'appelle Des. des... Euh... Avant, avant l'opération, comment ça s'appelle déjà Les anesthésies, les anesthésies voilà. Capable avec les anesthésies de tuer la douleur pour un certain temps. Mm. Oui, il y a même des gens qui marchent sur le feu. Ça existe. En Afrique, ça existe. Je ne sais pas si ailleurs, ça existe. Mais chez nous, ça existe. Donc, les pratiques de magie, les potions magiques, les formules peuvent immuniser quelqu'un contre la douleur. Et la médecine, la pharmacie peut le faire aussi. Le mot qui est utilisé donc dans le grec, pharmakeia, veut dire sort, envoûtement, enchantement. Parce qu'un enchantement, c'était une sorte de potion qu'on buvait, soit pour se désenvoûter, soit pour envoûter, soit pour empoisonner, soit pour se libérer d'un empoisonnement. Donc, le mot grec est le même mot qui donne aujourd'hui en français pharmacie, pharmaceutique, pharmacien. Parce qu'en fait, la pharmacie, c'est la, euh, la médecine. Organisée ou plutôt c'est la science organisée de toutes ces pratiques occultes qu'on utilisait pour soigner des, euh, des, euh, des maladies, pour désenvoûter des gens et qu'on a codifiées et qu'on a régulé dans les doses. Parce qu'en fait l'une des choses que fait la pharmacie, c'est qu'elle régule les doses. Donc on peut vous donner, je connais des médicaments par exemple qu'on prend pour soigner les, la folie ou les débuts de folie ou les dépressions nerveuses. C'est des médicaments très forts, c'est des antidépresseurs. Quand vous les prenez parfois même à faible dose, vous n'arrivez même plus à bouger le, une partie de votre corps. Vous êtes dans un autre état. Comment est-ce que tu peux boire une substance médicamenteuse et changer d'état Il existe même des médicaments de palu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé que vous prenez et vous avez des hallucinations. Eh eh eh. Oui, vous avez parfois. Quand vous avez le palu, vous prenez certains médicaments, vous êtes couché sur le lit, vous avez l'impression que le plafond va vous tomber sur la tête. Je ne sais pas si ça, ça vous est déjà arrivé. Vous avez l'impression que le plafond bouge. Vous avez des hallucinations. Certains médicaments peuvent même modifier... <s aménice> <s aménice> Parce qu'il existe derrière l'industrie pharmaceutique, il existe derrière l'industrie pharmaceutique une puissance, je ne dis pas que les, tous les pharmaciens sont des sorciers, mais il existe derrière cette industrie une puissance de la sorcellerie cachée dont l'objectif est d'utiliser les médicaments pour envoûter le plus grand nombre de personnes sur la terre. Regardez, regardez-moi. Quand vous allez lire vos bibles, vous allez voir que Dieu fait cette petite remarque aux gens qui utilisaient les remèdes, parce que les remèdes dont on parle ici ne sont pas nouveaux. C'est des choses qui, pour la plupart déjà, dans les anciens peuples, même en Afrique parfois, il y a des choses qu'on peut mélanger pour te faire boire et te soigner. Donc, c'est des remèdes qui existaient déjà. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le mot remède, c'est comme si c'est un mot auquel Dieu est allergique, au point où il va même dire à Israël. Pourquoi buvez-vous des remèdes d'Égypte N'y a-t-il pas de baume en Galade La différence entre le baume et les remèdes, c'est que les remèdes, c'est un assemblage de formules et de, et de substances. Mais le baume, c'est un produit naturel. Donc, c'est parfois une pommade qu'on utilisait soit en écrasant une plante ou quelque chose de naturel. Le, 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 la médecine, en fait, pour Dieu, soigner vient. Euh, euh, comment dire, ne vient pas des remèdes, donc des associations de substances. Soigner vient de la nature. Soigner commence d'abord pour Dieu. La santé pour Dieu commence déjà par ce que vous mangez. C'est pour ça que certaines médecines traditionnelles privilégient la nourriture aux médicaments. On appelle ça les oligamants. La médecine chinoise, par exemple, privilégie la, la nourriture. Donc, les régimes. Parfois, il y a des, y a des maladies chez les Chinois qu'on traite en vous prescrivant un régime manger plus de, de fruits manger euh, les choux manger ceci parce qu'on a, on a, on a découvert et on, a, on, a, on s'est rendu compte qu'en plus de, de tout ce que la médecine fait la pharmacie fait elle n'arrange pas le corps humain et elle ne le soigne pas Et là je suis même pas encore sur des, des faits euh, je suis même pas encore sur des faits euh, scientifiques mais je suis sur des faits qui sont encore des faits bibliques ok? Vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37. Beaucoup de gens ignorent que les médicaments peuvent même les affecter sur le plan spirituel. Hum? Je ne parle même pas encore du plan naturel, mais même sur le plan spirituel. Ézéchiel, 37, euh, pardon, Ézéchiel 47, le verset 12. Cette même chose-là est reprise dans euh, Apocalypse 21. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, Ézéchiel 47, verset 12, il dit Sur le torrent, sur le bord de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. OK Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de faim. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles serviront de remède. Là, on parle de médecine naturelle. On parle de nourriture quand on veut parler de bonne santé, et on parle de feuilles quand on veut parler de remède. Pourquoi Parce qu'à la différence de la pharmacie, la pharmacie utilise ce principe. Je vais vous expliquer ça maintenant. Le principe de la pharmacie, c'est le suivant. C'est que euh, dans, le, dans les oranges, par exemple, dans les oranges, il y a de la vitamine C. Donc, la vitamine C sert à remonter, par exemple, de la fatigue. Vous êtes fatigué, euh, vous manquez de, de vitamine C, vous pouvez prendre des oranges. Les oranges vont euh, vous communiquer de la vitamine C. Okay? Et la vitamine C, euh, que contiennent les oranges qui communiquent la force et l'énergie Il y a une molécule. Et cette molécule-là a deux bornes. Hein, en science, il y a une borne positive et une borne négative. Qu'est-ce que la pharmacie fait ou l'industrie pharmaceutique fait pour fabriquer des médicaments Si vous avez lu la, euh, vu la publicité de, de certains médicaments qui sont censés soigner la fatigue, comme les CAC, voilà. Euh, dans la publicité, on dit l'énergie de combien d'oranges et d'un verre de lait, par exemple. Parce qu'en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on dit ça Parce que les molécules qui sont dans l'orange, qui vous donnent de la force, en pharmacie, qu'est-ce qu'on va faire on va extraire les molécules, les molécules là, on va la synthétiser, donc on va la reproduire chimiquement ou euh, cliniquement, donc en, en industrie, industriellement. On prend la molécule, on la reproduit. mais On reproduit seulement son principe actif. Donc on reproduit seulement sa borne positive et on laisse sa borne négative. Parce que dans les molécules synthétiques, il n'y a pas de bonne négative. Il n'y a que dans les molécules naturelles qu'il y a le plus et il y a le moins. C'est pour ça que si vous abusez de CAC 1000, bon, j'ai dit son nom. Lui, il a la chance. Si vous abusez de CAC 1000, vous pouvez par exemple avoir des problèmes de reins. Ce qui est censé vous remonter en fatigue, si vous le prenez, vous le prenez, vous le prenez, ça peut créer des problèmes dans les reins. Alors que si vous abusez d'orange, vous n'aurez jamais de problème de reins. <laughs> si vous prenez 1000 oranges, vous n'aurez jamais de problème de reins. Prenez 100 comprimés de CAC 1000. Votre flore intestinale commence à diminuer. Donc les bactéries, des, hein, même les antibiotiques, ça paralyse les maladies. Mais les antibiotiques tuent ce qu'on appelle la flore intestinale. Donc il y a un environnement bactériel dans l'intestin de l'homme. Il y a des bactéries qui luttent contre les maladies. Il y a des, ce qu'on appelle les, les, les barrières intestinales. Donc quand les maladies arrivent, les bactéries qui sont dans, notre, dans nos intestins, dans notre, elles font des barrières pour ne pas que les maladies entrent. Mais les, les anti-inflammatoires, les antibiotiques... Ça tue, ça détruit la flore et les barrières intestinales. Donc de plus en plus, vous allez voir des maladies qui apparaissent comme les, les, les insuffisances rénales, des maladies qui apparaissent comme les, les douleurs avec le dos, le dos par exemple. Euh, de plus en plus, les maladies cardiovasculaires, les maladies de cœur apparaissent de plus en plus parce que l'usage des médicaments détruit le corps humain. Physiquement, il détruit, il modifie le, le corps humain. Et ne croyez-vous pas que dans six d'aussi grands et d'aussi brillants scientifiques ne savent pas que les médicaments qu'ils mettent sur le marché modifient notre corps humain. Vous pensez qu'ils ne le savent pas Vous pensez qu'ils l'ignorent Vous pensez qu'ils ignorent que abuser de certains médicaments va créer des maux de reins ou abuser de certains médicaments va créer des problèmes cardiaques Vous pensez qu'ils ignorent ça Ils le savent très bien. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle. Depuis que Dieu a fait le monde, jusqu'à aujourd'hui, l'espérance de vie a elle-même diminué. Avant, à 60 ans, Abraham, à 60 ans, n'avait même pas encore eu Isaac. Il a eu 90 ans dépassé. Sarah, 90 ans, elle n'était pas ménopausée. Mais pourquoi aujourd'hui, à 45 ans, les femmes ne peuvent plus faire d'enfants Pourquoi est-ce que des pays comme la Chine, on est obligé par l'industrie agroalimentaire d'infiltrer le marché chinois pour que les Chinois arrêtent de, 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 de mettre les enfants au monde. Même l'Afrique, toutes les nourritures africaines, regardez le cube magique en Afrique. Hein? Nous en Afrique, on avait des bouillons, nos mamans avaient des assaisonnements naturels à l'époque, nos grands-mères. Mais aujourd'hui, en Afrique, des maladies de cœur, des maladies d'AVC, tout ça prolifère en Afrique. Les Africains qui faisaient de nombreux enfants. Aujourd'hui, regardez les couples africains, les jeunes couples africains un enfant, deux enfants, maximum trois. On n'arrive plus à faire beaucoup d'enfants comme avant. Pourquoi Est-ce que l'homme africain a changé Oui. L'homme africain a changé parce qu'on nous administre des médicaments et on nous donne de la nourriture pour détruire et modifier et influencer les capacités, les fonctionnalités, l'espérance de vie, manipuler le corps, le comportement des hommes. C'est de la sorcellerie, les amis. Est-ce que je peux vous parler J'ai beaucoup de choses à vous dire. Est-ce que je peux vous parler Narada et là encore, je vais aller toucher à un point très important. Excusez-moi, je suis l'apôtre de la révolution. Laissez-moi parler tel que j'ai envie de parler ce soir. Écoutez-moi. Pourquoi est-ce que on nous a vanté, ou plutôt, on nous a menacé en janvier et en février sur la Covid-19, en nous disant que lorsque la Covid arrive en Afrique, elle va faire un désastre, elle va tuer tout le monde. Restez chez vous à la maison. Faites attention. Euh, on va préparer un vaccin. Pourquoi est-ce qu'après nous avoir enfermés, nous en Afrique, ceux qui sont encore en Europe ont encore quelques petits soucis, mais nous en Afrique aujourd'hui on porte plus le masque. Euh, personne n'a jamais connu, moi en tout cas pas moi, ni tous ceux que de mon entourage je connais beaucoup de gens, hein, mais je n'ai pas connu quelqu'un qui a 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 eu le Covid. Personne d'entre nous, tous, qui avons été confinés, qui avons été alertés, on voyait à la télévision 2000 euh, cas infectés, 5000 cas, 3000 cas, 1500 aujourd'hui, ça grimpe. Mais personne d'entre nous n'a eu son frère qui est mort, décédé, ou qui a été hospitalisé gravement, qui a failli mourir à cause du Covid. Je ne dis pas que la maladie n'existe pas. Je dis juste que on a utilisé une grippe comme toutes les autres, juste nouvelle, pour non pas nous soigner, pour nous apeurer, parce qu'on nous prépare un nouveau vaccin qu'on veut nous inoculer. Et jusqu'aujourd'hui, l'Occident continue de maintenir la pression économique, les pressions diplomatiques, donc les voyages. Dans l'espace européen, dans l'espace américain, sont réduits, interdits pour certains. Donc, on sait que ça paralyse les activités économiques de plusieurs personnes qui devaient voyager, qui doivent aller ici, faire ceci ou faire cela. On paralyse le monde pour nous contraindre la main sur la gorge à accepter un vaccin quand il viendra, pour que le monde recommence à fonctionner normalement. Pourquoi est-ce que pour nous administrer un produit pharmaceutique, on doit paralyser le monde. Pourquoi Mes amis, ce à quoi on, est, on assiste en ce moment, c'est de la sorcellerie. Parce que l'objectif de ces vaccins, je vous, je vous raconte une petite anecdote. Je devais voyager, je devais aller, je pense, au Ghana, je ne sais plus où, et je suis allé faire un vaccin contre la fièvre typhoïde. Et la semaine qui a suivi... Euh, Où ou ou, je pense que le vaccin fait un an et j'ai fait une semaine à Accra. La semaine qui suit mon retour, donc après deux semaines après m'être vacciné, je reviens à Abidjan et j'attrape euh, la fièvre typhoïde. Deux semaines après m'être fait vacciner contre la fièvre typhoïde. Même si un vaccin est inopérant, on peut pas, pour un vaccin qui est censé te protéger pour un an, il ne peut pas te protéger même pas deux semaines. Même si le vaccin est défaillant, deux semaines pour un vaccin qui est censé te protéger pendant un an. Et j'ai dû me faire traiter à des médicaments contre la fièvre typhoïde pour laquelle, pourtant, j'avais été vacciné. Et tant que tu ne te vaccines pas, tu ne voyages pas, tu ne te déplaces pas, il y a certaines choses auxquelles tu n'as pas droit. Pourquoi est-ce qu'on doit nous menacer pour nous administrer certains médicaments Pourquoi est-ce que nos enfants ne peuvent pas aller à l'école s'ils ne se vaccinent pas la première des choses qu'on fait à la rentrée scolaire, on vérifie les vaccins des enfants. Si ton enfant, on peut ramener ton enfant à la maison et lui interdire d'avoir accès à l'éducation s'il n'est pas vacciné. S'il n'est pas vacciné, ton enfant n'a pas droit à être éduqué s'il n'est pas vacciné. Pourquoi est-ce qu'on utilise des stratégies pour nous obliger à prendre certains médicaments Et finalement, vous, vous retrouvez dans une société ou vous êtes le seul qui ne vous êtes pas vacciné, vous avez l'impression que c'est vous qui allez contaminer les autres. Et tout le monde sous la pression de certaines personnes cachées quelque part, en train de faire des œuvres de sorcellerie à l'échelle mondiale, tout le monde sous cette pression cède à la vaccination, cède à la médicamentation et cède à toute l'industrie pharmaceutique et à son pouvoir. Regardez, il y a un chercheur congolais qui vit jusqu'à présent a trouvé la... Euh, comment on dit ça Comment on a fait cette plante-là euh, hein? Non, ça c'est un médicament. Il euh, y a une plante là. Oh, si vous vous rappelez, écrivez ça en commentaire pour moi. Euh, un chercheur congolais hein, qui, qui travaille contre le paludisme a trouvé une plante... Oh, son nom est sur mes lèvres. Et euh, c'est ce que le, le Madagascar a utilisé pour son médicament contre le Covid. Euh, Artemisia. Athé Artemisia, voilà. Donc, euh, on, a fait des, on a fait des. Il a développé un traitement efficace qui a été prouvé au Congo, dans une région tout entière du Congo, euh, qui a soigné des populations rurales entièrement, sans débousser tous les frais qu'on nous impose avec la médecine et tout le reste. Jusqu'aujourd'hui, ce monsieur a même failli être assassiné par des gens jusqu'aujourd'hui l'OMS ne reconnaît pas ce médicament comme étant un médicament recommandé et officiel on préfère nous administrer de la nivakine qui a créé des allergies chez plusieurs enfants en Afrique euh, il y avait à l'époque comment s'appelait déjà la nivakine oui c'est ça c'est la nivakine ah, voilà qui a créé des allergies chez plusieurs enfants en Afrique même voilà, qui, a, qui a même créé des insuffisances rénales et qui s'est développé en Afrique, on préfère nous administrer des médicaments qui nous tuent plutôt qu'un médicament naturel qui a prouvé son efficacité. Vous pensez qu'il n'y a rien derrière tout ça Vous pensez qu'il n'y a pas une œuvre cachée, mystique et spirituelle derrière tout ceci Comment est-ce que pensez-vous que tout un peuple tout entier, regardez l'Afrique, tout entier, l'Afrique tout entière, L'Afrique, elle seule, a plus de, de deux tiers des richesses du monde. Les terres cultivables en Afrique, donc les terres qu'on peut cultiver, sur lesquelles on peut cultiver en Afrique, il y a l'Afrique a a plus d'environ de, presque les trois tiers des terres cultivables. On appelle ça les terres arables du monde. L'Afrique a toutes les richesses du monde. Comment est-ce que son peuple peut être aussi complexé? inférieurement, se sentir inférieur, euh, euh, divisé, méchant. Vous pensez que c'est juste des combats qui se gagnent sur le plan naturel où il faut juste éduquer les Africains. Je, je partageais sur Facebook ce matin euh, la méchanceté des Africains est notoire. Je pense qu'elle n'est pas humaine. C'est une méchanceté diabolique qui est maintenue par des pratiques de sorcellerie de masse. J'ai partagé une vidéo ce matin où des ramasseurs de balles dans un match de football au Burkina Faso sont censés toucher 7000 francs par match. Et on les paye à même pas 150 francs CFA. Et ça, c'est encore quand le monsieur qui paye est content. 150, euh, 150 francs pour des gens qui sont payés chaque match à 7000 francs. C'est-à-dire même pas le dixième, même pas 700 francs. Et les enfants dans la vidéo disent. Si on pouvait au moins rajouter 100 francs sur les 150 francs, pourquoi on a au moins 250? Quelqu'un qui est censé être payé à 7000 francs, qui demande pardon, pourquoi qu'on lui ajoute 100 francs pour qu'il ait 250? Quelle est cette forme de méchanceté de laquelle l'Africain peut regarder son frère mourir pour quelque chose qu'il lui a pris et qu'il a dans les mains? Je crois de tout mon cœur que cette méchanceté n'est pas humaine. Elle est entretenue par des puissances et des pratiques occultes qui veulent maintenir certains peuples dans certains comportements. Et on peut modifier par toutes ces choses le comportement des hommes. On peut modifier les attitudes. On peut agir sur la façon de penser. Rien que par des pratiques mystiques, par des envoûtements, toutes ces choses que vous voyez. Derrière la médecine, derrière le fait de soigner, il y a des pratiques d'envoûtement, il y a des empoisonnements, il y a des enchantements, il y a des sorts qui sont jetés et administrés à des populations de masse pour qu'on puisse les contrôler. Est-ce que l'Église peut ouvrir ses yeux Je ne veux pas parler à tout le monde ce soir. Je veux parler à des gens qui comprennent le langage que je parle et qui comprennent que le est grave, il faut que dans la prière, on reprenne possession de certaines choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, oui. On peut manipuler quelqu'un si on l'a envoûté. C'est pour ça que je disais au départ tout à l'heure que tout, le, tout ce qu'on mange ou boit n'a pas pour objectif de nous initier. Tout ce qu'on mange et boit a d'abord objectif de nous envoûter. Celui qui est envoûté, on manipule et on peut influencer son esprit. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un est envoûté, de loin, on peut commander ses actions. Hum? Quand quelqu'un est envoûté, on peut prédire hein, son comportement. On peut influencer sa façon d'agir. On peut, on peut le pousser à faire certains choix. Et je crois que les événements comme les printemps arabes, comme les guerres auxquelles nous assistons dans nos pays, regardez nos guerres, regardez nos conflits. Nos conflits n'ont aucun sens. Il n'y a, a aucun intérêt. Il n'y a personne qui gagne. Mais on passe tout notre temps à se détester et à s'entretuer. Les gens se découpent à la machette. Hein, en Centrafrique, ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, on se découpe à la machette. Pensez que cette haine, que des gens pourtant qui vivent ensemble, qui ont... On nous fait croire que tel peuple n'aime pas tel peuple. Et avec les manipulations, je vais arriver tout à l'heure à les manipulations d'ondes. Hein? Avec la télévision, comment est-ce qu'on nous emmène des messages Regardez-moi, s'il vous plaît. Si je veux vous appeler, si je veux vous appeler, je vous donne un téléphone. C'est pas ça Je ne peux pas vous joindre si je ne vous ai pas donné un téléphone. Donc, même si je veux vous communiquer quelque chose, si vous n'avez pas un récepteur, vous ne pouvez pas m'écouter. Donc, l'envoûtement sert en sorcellerie à créer un récepteur dans la vie de celui qu'on veut manipuler. Mais quand on veut manipuler quelqu'un dans la vie duquel on a placé un récepteur, il faut un émetteur. Et on doit émettre un message auquel il va réagir. Regardez que quand les chaînes de télévision occidentales répètent qu'en Afrique, il y a dans tel pays les divisions entre nord et sud, entre chrétiens et musulmans, entre ceci et cela, automatiquement les guerres chrétiens, musulmans, nord et sud se lèvent. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Regardez la technologie là, la technologie que vous voyez, elle est spirituelle. Tout ce qui est invention technologique, tout ce qui est progrès scientifique, pharmaceutique, tout ce que vous voyez est calqué sur des modèles spirituels. Regardez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Avec la nourriture, avec le, les, les médicaments pour la plupart de vastes envoûtements sont jetés sur l'humanité. Et je n'ai pas parlé beaucoup de, de, de la nourriture, de, de l'agroalimentaire, donc ce qu'on mange. Euh, ce qu'on mange modifie même notre ADN. Est-ce que vous savez que, tout ce que les, tous les aliments qu'un homme mange, euh, euh, quand le corps le transforme, ça va dans le sang. Et l'ADN, donc la personnalité, Génétique de quelqu'un est définie par son sang. Lévitique 10, verset 17 dit L'âme de toute chair est dans son sang. Donc, l'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est la volonté. Nous, les chrétiens, on enseigne ça très bien aux gens. C'est pas ça On dit que l'âme, c'est la personnalité. L'âme, c'est la volonté. L'âme, c'est l'intelligence. L'âme, ce sont les émotions. Donc, ce sont nos choix. En d'autres termes, celui qui influence ton sang, il peut influencer ta volonté. Il peut influencer tes émotions. Il peut influencer ton intelligence. Il peut influencer ta personnalité. Est-ce que vous savez que tout ce que vous mangez va directement dans le sang? Toute la nourriture que l'organisme transforme, il le donne au sang. Et plus vous mangez certaines choses qui contiennent certains éléments, certaines molécules, ou même certains éléments mystiques ou magiques, on peut aller jusqu'à modifier notre hein, identité sanguine donc l'ADN si vous prenez l'ADN des personnages qui ont vécu il y a des années en arrière et vous prenez l'ADN l'ADN c'est des images sont des codes génétiques si vous prenez les deux ADN de personnages qui ont vécu il y a longtemps avant tout ce qui est boîte de conserve euh, nourriture euh, fait un magasin euh, tout ça tout ce qui ont vécu avant ça et vous prenez nous de, qui sommes de cette époque si vous comparez les deux ADN vous allez voir que les codes ne sont pas les mêmes parce qu'on a modifié les codes génétiques de l'humanité. Sachant que si on modifie le sein, on modifie la volonté. On peut jouer sur les émotions. Donc si tu n'es pas nerveux, on peut te rendre nerveux. Si tu n'es pas méchant, on peut te rendre méchant. Ce sont les émotions. Si tu n'es pas, euh, 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 comment dire, euh, 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 coléreux ou, euh, comment dire, Sanguin, on peut te rendre sanguin. On peut modifier l'identité génétique de quelqu'un à travers ce qu'il mange. Et regardez pourquoi. Est-ce que nos grandes chaînes de restaurants qui s'installent partout dans le monde, je me demande quel genre de chiffre d'affaires eux ils font pour être aussi puissants, pour être capables de s'installer partout dans le monde. KFC, euh, Burger King, McDonald's. Euh, etc, etc. Et vous allez remarquer qu'avec toutes ces grandes entreprises d'agroalimentaire, les recettes ne sont jamais changées et elles sont toujours tenues secrètes. La recette qui fait le KFC, le poulet pané de KFC, elle est secrète. Donc, les poulets, la panure, la farine, l'huile, euh, les, les frites, la sauce tomate, tout ce qu'on vous sert dans le repas vient des États-Unis. Et même en Côte d'Ivoire, même en Côte d'Ivoire, tout, toute la recette, c'est pour ça que vous allez rentrer quand vous entrez dans Dans, dans, des, dans des restaurants de ce genre, vous allez voir qu'ils ont des grands, des grands fous, des grands appareils, des grands... Où tout est déjà programmé. En 5 minutes, on peut te servir ta nourriture parce que toute la recette, le goût ne change jamais. C'est toujours le même goût, toujours les mêmes recettes. Ce n'est plus de la nourriture à base de plantes naturelles. Même les tomates que vous mangez dedans, c'est des tomates avec des OGM, donc organismes génétiquement modifiés. Donc c'est des, des trucs qu'on a plantés avec des, des euh, comment dire ça, avec des, des produits génétiques, on a modifié pour que toutes les tomates aient les mêmes formes, les mêmes propriétés. Ce ne pas des tomates naturelles qu'on mange. Quels sont ces éléments génétiques, moléculaires qu'on injecte dans ces. Qu'on donne à tout le monde entier, dans tous les restaurants du monde entier. Y a-t-il plus suffisamment de tomates ou de terres cultivables Chez nous en Afrique, tu fais des kilomètres sur des kilomètres, on peut cultiver pour nourrir le monde entier. On peut cultiver des tomates en Afrique et nourrir le monde entier avec. Pourquoi faut-il qu'on nous donne des tomates ou des choux Et ça passe même sur Internet. Il y a même des choux qu'on fabrique avec du plastique. Fast food. Sunray. Chez nous, il n'y a pas ça. Yes, ma fille, Sofiane. <laughs> En Afrique encore, ça va. On, on va encore au marché en Afrique. On peut encore acheter des, des légumes frais. Euh, encore nos marchés en Afrique sont. En Europe, ça n'existe plus. Les produits bio, frais, qui sortent de, des plantations, même les, plantas, les, les, les plantations en Europe, euh, en Occident, les, les agriculteurs, il y a des produits qu'on leur, on leur euh, impose. Soit disant que c'est pour tuer les bêtes, c'est pour entretenir le truc. On appelle ça des pesticides. Et on leur exige, même quand ils doivent planter dans la terre, pour que la terre leur donne là, on leur exige des produits chimiques, soi-disant que c'est la qualité, c'est la recherche de la qualité. Ils sont obligés. Chez nous, ici, ça n'existe pas encore. On peut encore planter nos tomates devant la porte, faire pousser les tomates et puis faire la sauce tomate avec. Mais il y a des sociétés modernisées où on a, on a mis un contrôle sur tout ce qui doit entrer dans la bouche des populations. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on doit contrôler ce que nous mangeons Pourquoi Je vais terminer avec ce point. Quand vous êtes envoûté, il vous faut pour répondre, parce que c'est votre volonté qu'on influence, et il vous faut répondre à des autres. C'est là que viennent d'autres ind industries euh, très développées dans le monde, notamment la technologie. Hmm? Tout le monde écrit créé comme la technologie. La technologie. La technologie. La technologie. Oui, les OGM, ça veut dire qu'on modifie le. Comment dire ça La génétique naturelle, hein? les molécules naturelles des tomates, ou des, des choux, ou des salades. Donc, on l'organisme est modifié génétiquement on change son code on y introduit des choses et on nous fait manger ça hmm? la technologie directement la technologie je, je vais aller vers la fin. la technologie et là je vais vous dire quelque chose de très vendredi prochain je vais avancer un tout petit peu mais là je vais vous dire quelque chose de très 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 très, très, grave. très grave très grave très grave très grave directement la technologie la technologie merci seigneur la technologie la technologie. Ok. Il y, a, il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre, c'est que, je le disais au départ, rien de ce qu'on invente, peu importe ce que c'est, rien de ce qu'on invente aujourd'hui, euh, c'est juste des entités spirituelles. Ne regardez pas juste la beauté, les cravates, ce que les gens portent, c'est des, des choses qui existent dans le monde spirituel qu'on a révélées à un homme pour qu'il invente. Moïse, Dieu lui dit, aie soin de faire le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré dans, le, dans les cieux. Donc ça veut dire que le tabernacle que Moïse a dessiné, c'est une révélation de quelque chose qui existe déjà dans le ciel. D'ailleurs, pour preuve, Hébreu 9, verset 21, verset 12 déjà, et verset 21 et 22, la Bible dit que Christ, après sa mort, est entré dans le lieu saint du tabernacle céleste en apportant son propre sang. Ça veut dire qu'il y avait un tabernacle sur terre que Moïse a construit. Parce qu'il y avait un tabernacle dans le ciel qui a été révélé à Moïse et qu'il a repliqué sur la terre. Donc, tout ce qui est invention technologique sur la terre, télévision, euh, déjà avant d'avoir des télévisions, euh, des écrans de télévision où on peut projeter une image de quelque part et puis l'image arrive dans votre salon, c'est un principe qui existe déjà dans le monde spirituel. Dieu, dans le ciel, peut projeter une image et en esprit, tu peux voir ces images, tu peux voir, avoir une vision. OK? Donc, c'est des principes qui existent dans le monde spirituel. Dieu peut parler aux hommes, on a créé le téléphone et on peut t'appeler et tu peux répondre. Euh, c'est un principe qui existe dans le monde spirituel où la communication euh, brise les barrières de la distance. Okay? La vitesse, aujourd'hui, avec des choses comme Internet, on est sur la 4G, on est en train de passer, pour certains, ils sont déjà passés à la 5G. Donc, c'est la vitesse, c'est la recherche de la vitesse dans, la, dans le circuit de l'information. Regardez que la Bible dit... Quand l'ange qui vient parler à Daniel, il dit, d'un vol rapide, l'ange vient. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà dans le monde spirituel. La vitesse avec laquelle l'ange Gabriel quitte le monde des esprits et entre sur la terre pour parler à, à, à Marie. Donc, euh, la, la transmission de l'information de façon rapide, ça existe déjà. C'est rien qui a été inventé. La technologie est juste le reflet terrestre. Des réalités qui existent déjà dans le monde spirituel. C'est pour ça que je disais, je disais une fois, un vendredi, que même le Saint-Esprit est une technologie. Euh, regardez que tout ce que le Saint-Esprit fait, euh, la science le réplique, La guérison peut être scientifique, et peut être aussi spirituelle. Euh, on peut lever un paralytique par la prière, on peut lever un paralytique par des prothèses, par des, 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 des opérations chirurgicales, euh, par des, euh, comment dire ça, des des vibrations nerveuses, etc. etc. Donc, la technologie est le reflet de tout ce qui existe dans le monde spirituel. Mais là, je vais vous montrer un principe très important dans deux, d'ailleurs, dans Job, euh, chapitre 36 à partir du verset 26. La Bible dit, Dieu est grand. Le livre de Job est un livre très spirituel parce que Job a été écrit avant même, euh, il a vécu avant Moïse et tout le reste. Donc, il est, plus, il est plus âgé que tous ces personnages bibliques. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Verset 26 de Job 36, le nombre de ses années est impénétrable. Verset 27, il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Verset 28, les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Verset 29, et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente Et le verset 30 qui m'intéresse, voici. Il étend autour de lui sa lumière. Il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Il étend autour de lui sa lumière. Il étend, écoutez s'il vous plaît, autour de lui sa lumière. Job révèle qu'en fait, autour de Dieu, il y a un rayon de gloire. Il y a un éclat rayonnant de sa gloire autour de lui. Il y a un périmètre de d'émission de la gloire de Dieu. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu vous atteint. Parce qu'il y a un rayon autour de lui qui reflète sa gloire. Vous êtes là Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dans le périmètre dans lequel Dieu est, c'est pour ça que la Bible dit que la gloire de Dieu remplissait le temple. Parce que là où Dieu vient avec sa gloire, il y a un rayonnement circonféré. Hein, si Comment on dit ça La circonférence. Voilà. Il y a un rayonnement de sa gloire autour de lui. C'est une circonférence. C'est des ondes de gloire que Dieu projette. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Job chapitre 1, verset 10. Lorsque Dieu demande à Satan D'où viens-tu Il dit Je viens de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job Il est intègre parmi tous les hommes etc., etc., euh, Lucifer va répondre à Dieu ceci. Il dit, euh, euh, en, voulant, en voulant le toucher, il dit, euh, n'as-tu pas, quand Dieu donne la permission de, de toucher Job, il dit, n'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de ses biens, tu as, re, tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux. Se sont multipliés dans le pays. Job 1, verset 10, version semeur, version Darby. Il dit à Dieu, il lui répond, mais tu me dis de le toucher, de lui faire du mal. Pourtant, tu as mis autour de Job un rempart, un rayon de protection autour de lui. Autour de sa maison. Hum, autour de ses biens. Ça veut dire qu'aussi longtemps. Lucifer admet, on ne parle pas d'un démon, Lucifer lui-même, il admet qu'aussi longtemps que ce rayonnement-là est autour de Job, autour de sa maison et autour de ses biens, il ne peut pas le toucher. Il dit Mais tu dis, touche-le, alors qu'il y a toujours ce rayon-là autour de lui. Comment je fais pour l'approcher si ce rayonnement-là est autour de Job Est-ce que je peux vous révéler le principe technologique de ce que les, les, les scientifiques appellent les ondes. Vous savez, les ondes, c'est un, un périmètre d'émission de, de rayons. Okay? Ce qui se passe, c'est que Dieu dit, dans Job 20, euh, 36, que lui-même, il dégage un rayon de gloire. Et il dit autour de Job, il a aussi mis un rayon. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu peut parler à Job ou Dieu peut parler aux hommes? Est-ce que vous savez pourquoi Dieu peut vous parler à vous Parce que le rayon que Dieu dégage autour de lui, ce même rayon-là est autour de vous. Ce rayonnement-là, ce sont des ondes. Personne ne peut vous joindre sur votre téléphone si votre téléphone ne capte pas des ondes qui ont été émises par une antenne. C'est comme ça que si vous allez dans un petit village où il n'y a pas d'antenne, hein, de, de station téléphonique qui émet des ondes, quand vous voyez un grand pylône en télécommunication, quand vous voyez un grand pylône, ça émet des ondes sur un certain périmètre. Et ce sont ces ondes-là qui font que quand je vous appelle à partir de chez moi, vous pouvez me recevoir à partir de chez vous. C'est avec ces mêmes ondes que fonctionne Internet en ce moment, qui fait que je suis ici et que vous pouvez me voir à partir d'un récepteur où il y a un rayon de connexion Internet. Donc là où vous êtes chez vous en ce moment, la connexion Internet crée un rayon qui permet à votre appareil de me recevoir chez vous. Il n'y a pas de communication s'il n'y a pas de, des ondes qui ont été émises et des ondes de réception. Hum? Est-ce que vous savez que votre tablette, votre téléphone, vos écrans de télévision, vos ordinateurs, votre connexion Internet, est-ce que vous savez que nos maisons aujourd'hui sont devenues... Des concentrations de diffusion d'ondes. Dans nos maisons, dans nos petites maisons, on a des téléphones, des smartphones, des écrans de télévision, des tablettes, des ordinateurs, des télévisions. On a la connexion Internet. Donc, dans nos maisons, il y a un périmètre, il y a des ondes. Dans, là où on a aussi, ici par exemple en ce moment, j'ai mon téléphone, j'ai ma tablette, il y a les ordinateurs de la régie, il y a, il y a la connexion Internet, il y a les écrans de télévision. Il y a des ondes qui sont en train d'être propagées ici, OK On est rempli d'ondes invisibles. C'est ce qui fait qu'on peut émettre les images qu'on a et vous les recevez chez vous. Pourquoi est-ce que on a remplacé les journaux papier par les écrans de télévision Pourquoi est-ce que on a fait en sorte que les individus et des téléphones portables. pourquoi est-ce que maintenant euh, le téléphone portable fait absolument tout? Hmm? aujourd'hui encore en afrique, on ne le sent pas encore. mais aujourd'hui même en europe, sans internet et un téléphone, tu ne peux pas vivre. parce que même le chemin sur lequel tu dois aller, même la route, pour pouvoir te déplacer de ta maison à un point X, tout ce que tu fais, tu le fais avec ton téléphone. Tu commandes la nourriture en ligne, tu regardes tes horaires de train en ligne, tu, euh, tu prends ton billet de train en ligne, tu suis ton trajet sur GPS avec Internet et avec ton téléphone. Donc, on ne peut rien faire dans les sociétés modernes aujourd'hui sans un téléphone. Pourquoi tout le monde doit avoir un téléphone, un smartphone, une tablette Parce que la chose que vous ne savez pas, tous ces écrans émettent des ondes. Et je vous pose donc la question. Si personne ne veut communiquer avec vous, pourquoi ils vous émettent des ondes Pourquoi est-ce qu'on a fait en sorte que chaque homme sur la Terre ait une, un téléphone auprès de lui et qu'il soit dans une zone d'émission d'ondes. Est-ce que vous savez qu'avec les ondes, on peut influencer le comportement des gens Je ne sais pas si je dois vous dire tout ça vendredi prochain. Avec les ondes qu'on émet, on peut influencer les choix, les décisions, la volonté, le comportement des gens. Est-ce que vous avez remarqué comment est-ce que la télévision change de comportement Comment Comment votre téléphone change vos habitudes? Comment est-ce que le téléphone arrive à créer une dépendance? Hum? On n'est plus, plus capable de se séparer de nos téléphones. Parce que les ondes, c'est un principe spirituel. Dieu a mis ce rayonnement autour des hommes parce qu'il voulait leur donner des messages. De sorte que si Dieu veut vous parler, il émet un message et les ondes émises et vos ondes de réception vous permettent d'entendre la voix de Dieu. Alors à chaque fois que quelqu'un émet des ondes autour de vous, il veut vous passer des messages. Vous n'imaginez pas le nombre de messages subliminaux. J'ai fait de la télévision, j'ai mon mon, été formé au métier de réalisateur. Vous n'imaginez pas le nombre... De messages, de sous-messages que vous recevez quand vous regardez un film, quand vous regardez, d'écouter vous de la musique, quand vous regardez le journal télévisé, il y a des messages subliminaux que vous entendez. En télévision, on appelle ça des éléments de langage, par exemple. Ça fait partie des messages subliminaux. Dans un texte, dans un reportage, par exemple, sur la Côte d'Ivoire, on peut utiliser 50 fois ou, euh, bon, si c'est un long documentaire, mais si c'est un petit reportage de 5-10 minutes, on peut utiliser 30 ou 25 ou 50 fois ou 10 fois ou 15 fois un mot. Et le mot répété reste dans votre subconscient. Les élections en Côte d'Ivoire présagent la guerre. Les élections en Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire, la guerre de 1980, la guerre. On utilise dans un petit texte de 5 minutes, le mot guerre est utilisé 15, 20, 30, 50 fois. Ça envoie un message à votre esprit. L'esprit capte. Le message subliminal. Oui, ça on apprend ça en télévision, on apprend ça du télémarketing. C'est comme ça que un produit marketing sort. Vous ne l'aimez pas quand il sort, mais après avoir regardé la publicité, vous l'aimez. Je me rappelle à l'époque quand on a inventé encore du le coupé décalé, les premiers chanteurs de coupé décalé, les gens se sont moqués d'eux. Quand on voyait leur pas de danse, comment ils s'habillaient, les gens se moquaient d'eux au début. Mais au bout de six mois. Tout le monde aimait, et tout le monde dansait. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne s'en pas plus. Quelque chose qui a commencé et qui a été appuyé par les relais de médias. Parce que la télévision ne vous informe pas juste. Elle vous envoie des ondes, des messages subliminaux. Et à travers ces messages, on peut déclencher le comportement des gens. On peut les manipuler, on peut les contrôler. Mes amis, c'est de la sorcellerie sur le plan scientifique et technologique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je peux m'arrêter ici? Hmm. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. C'est la raison pour laquelle, et pour laquelle, pardon, si je m'arrête ici, sans vous dire ça, ça ne sera pas correct. C'est la raison pour laquelle, vous savez, Dieu n'est jamais surpris par les événements. Il y a deux versets qui m'ont choqué avec Dieu dans la Bible. C'est que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3. À la fin des temps, les hommes seront ôtés, fanfarons, amoureux de l'argent. Je me suis toujours posé la question, comment Dieu a fait pour savoir comment les hommes allaient être à la fin des temps Quand vous lisez ce chapitre 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ôtés. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah! Comment quelqu'un peut faire une aussi précise description des hommes de la fin des temps Vous savez comment Dieu savait ça Dieu savait que les pratiques qui avaient été infiltrées dans le monde par les démons, la sorcellerie et la magie, ne pouvaient engendrer que ces choses-là. Et regardez une deuxième chose qui m'a choqué dans Marc, chapitre 16. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand on utilise ce verset, on parle souvent de chasser les esprits. Mais il y a une chose aussi que Dieu dit dans ce texte, sachant très bien que... Plus loin, il y a une forme de sorcellerie qui allait se lever où on allait tous nous faire manger et boire des choses. Dieu dit, ils chasseront les démons, etc., etc. Ils boiront des breuvages empoisonnés, mais ils ne leur feront rien. On appelle ça la prescience de Dieu qui sait d'avance les stratégies que Satan allait utiliser. Et il nous donne dans la parole de Dieu l'antidote. Au, ou à la stratégie que le diable compte utiliser à la fin des temps. Il dit quand vous allez croire en Jésus, vous n'allez pas seulement chasser les démons, mais à chaque fois que vous allez manger ou boire quelque chose qui est empoisonné, ça ne va rien vous faire. Est-ce que vous savez que la raison pour laquelle vous et moi, on est encore sur nos pieds, c'est parce que Dieu a parlé d'avance Chaque fois que la parole de Dieu est relâchée, elle maintient la sécurité et la protection dans la vie de ceux qui ont cru en ça. C'est sa parole qui fait qu'on mange ce qu'on mange, mais on est encore vivant. On boit ce qu'on boit, mais on en... je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, peu importe ce par quoi on a voulu t'envoûter ou te contrôler, je déclare qu'à cause de la parole de l'Éternel, les esprits de sorcellerie et les envoûtements n'ont aucun effet sur toi. Je le déclare et je le décrète. Quelqu'un peut me dire Amen, s'il te plaît. Dis-moi un bon Amen. Hum. Dis-moi un bon Amen. Je déclare et je décrète que tous les démons de la sorcellerie, toutes les formes d'envoûtement, par la nourriture ou par la boisson, tout ce qui a été fait contre toi ou quelqu'un d'autre, ces choses n'ont aucun effet in the name of Jesus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen. Merci, Saint-Esprit. Quelqu'un peut me dire Amen. Je déclare qu'aucun empoisonnement n'aura d'effet sur toi. Aucun sort, aucun enchantement, aucun sortilège, aucun, aucun poison, aucun aucune, aucune forme d'envoûtement ne prospère sur toi. Si tu avais même été envoûté, ce soir tu es désenvoûté par la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es plus, tu plus euh, sous le contrôle d'un esprit de sorcellerie quelconque. Et je déclare que la sorcellerie à l'échelle mondiale, qui veut contrôler les hommes et qui veut les pousser à, 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 à faire du mal et à, à, à engendrer euh, des, des calamités, que ces choses-là, tu sois exempte. Tu boiras des médicaments, tu mangeras de la nourriture, tu boiras de l'eau ou des boissons, mais ces choses ne te feront rien à cause de la puissance du Saint-Esprit. La main de Dieu est sur toi. Pendant que je déclare ces paroles et que tu me dis Amen, la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La sorcellerie est vaincue. Qu'elle vienne de ta famille, qu'elle vienne des de, 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 de complots. Et, 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 de, et de la méchanceté des hommes. Ces choses sont vaincues sur ta vie. Ces choses sont détruites. Elles n'ont aucun pouvoir. Elles sont paralysées. Quel que soit ce que tu as mangé dans ton enfance. Il y a des gens, tu as mangé des choses dans ton enfance et jusqu'à présent, tu ne te retrouves pas. Je déclare que ces choses sont expulsées de ton corps au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier Est-ce que tu peux prier pendant quelques secondes, juste le temps que le Saint-Esprit prenne les paroles que nous avons entendues elle m'a charbre adusa que dédébouchada labra suspendé de brossa tu es libéré ce soir Quelque forme d'envoûtement que ce soit. On t'avait envoûté par la nourriture. On t'avait envoûté par la nourriture. On t'avait envoûté par un repas. On t'avait envoûté par un repas. On voulait te contrôler à travers ce repas. Je déclare et je décrète que ce soir tu es libéré. 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 La puissance de la sorcellerie familiale. Les démons de la sorcellerie à l'échelle globale ou mondiale. Toutes ces œuvres secrètes et mystiques. Toutes ces œufs magiques et démoniaques sont détruites sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur toi ce soir pour te désenvoûter, pour te libérer des sorts, pour te libérer des enchantements, pour te libérer des envoûtements. Je déclare et je décrète que toutes ces choses ne prospèrent pas sur toi. Toutes ces choses ne prospèrent pas sur toi. kebo <t 'en> Shadabra. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Ce soir, la main de Dieu est en train d'opérer des délivrances. Pendant que je parlais, Dieu est en train de me dire pendant que je parlais, plusieurs d'entre nous déjà avaient, été comme, avaient contracté comme des envoûtements à cause de la nourriture, à cause de la boisson. Je vois des gens depuis plus petits. On t'avait invité comme dans un anniversaire et dans cet anniversaire, on t'a envoûté. La main de Dieu est là ce soir. Il prend son bras puissant et il te libère complètement au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus, les braga débauché brada daba, brasi zizi palé d'abrando sou bradea, kete palé, bra zupraga, li chapra, tu es libéré ce soir, tu es libéré ce soir, tu es libéré ce soir, tu es libéré ce soir. Toute forme d'envoûtement est détruite au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, ma brado da brada da baha, brande de debache brada da da bocha, le brada qui libra da souza, brandezi kapale de vrosalia, Braziza pande de Bros se le desia, in the name of Jesus, ce soir la main de Dieu te libère, ce soir la main de Dieu te libère, la main de Dieu te libère de toute forme d'envoûtement inconscient ou conscient. Tous les envoûtements ne sont pas dans le sens de te faire devenir sorcier. Il y a des gens qui ont t'envoûté pour contrôler ta volonté. Et depuis un certain moment, depuis que tu as mangé cette nourriture, tu n'arrives plus à dire non aux hommes. Tu n'arrives plus à refuser les femmes. Peu importe ce qui t'arrive, l'aspect de ta vie qu'on veut contrôler à travers ces envoûtements. Ce soir, tu es libéré par la main de Dieu. Ce soir, tu es libéré par la main de Dieu. Il y a des choses que tu avais refusé de faire quand tu t'es converti. Mais depuis que tu as mangé ce repas, tu as bu cette nourriture, tu as pris ce médicament, tu n'arrives plus à, 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 à garder le contrôle sur ta vie de sainteté, sur ta vie spirituelle, sur ta vie de prière, tu n'arrives plus à avoir la force de prier. Ce soir, tu es libéré, ce soir, tu es libéré, ce soir, tu es libéré, tu es libre dans le nom de Jésus, les babochés. Les gada bo shada, brasi kande, bria zupanda, les les baba les Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Et les envoûtements et les enchantements qu'on avait fait sur toi pour te rendre malade, pour paralyser un aspect de ton corps, pour détruire des cellules ou des organes, il y a des choses qu'on avait tuées par la médicamentation, par la pharmaceutique, par la nourriture, par les, les envoûtements, par l'eau, par la boisson, je déclare et je décrète. Aussi vrai que Dieu m'a établi, que la main de Dieu te libère ce soir. Tu es libéré de ces formes d'envoûtement, tu es libéré de ces formes d'envoûtement. Il lâche tes entrailles, il lâche ta fertilité, il lâche ta productivité, il lâche ton intelligence. Certains, depuis que tu as mangé ça, tu n'arrives plus à avancer à l'école, tu n'arrives plus à progresser dans tes études. Et tes études sont bloquées depuis que tu étais envoûté. C'est comme si tu n'arrives plus à réfléchir, tu as perdu l'envie d'étudier. Avant, tu aimais étudier, tu aimais étudier, tu avais la passion pour les études. Mais depuis que tu as pris ce repas, tu as bu cette, ce, 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 cette boisson, tu n'arrives plus à avoir la même envie pour les études. Ce soir, tu es libéré. 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 In the name of Jesus. Toutes les maladies causées par un envoûtement. Ce soir, c'est ta soirée de délivrance.

Tu as été envoûté comme au niveau de tes études. On a, on a paralysé ton intelligence. C'est l'intelligence qui a été paralysée. L'intelligence, l'intelligence, l'intelligence a été paralysée. L'intelligence a été paralysée à cause de cet envoûtement. L'intelligence a été paralysée. L'intelligence est, et au niveau de tes études, c'est devenu difficile et compliqué. Ce soir, la main de Dieu est ici. Elle est ici pour te libérer. 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 In the name of Jesus. Reka Subalia, Libro Sopande. Et ça se manifeste comment À chaque fois que tu es en classe d'examen, tu as repris toutes tes classes d'examen deux fois. Chaque fois que tu arrives en classe d'examen, tu as fait la classe deux fois d'abord, avant de pouvoir avancer. Et on a voulu te retarder avec un envoûtement. La main de Dieu est là ce soir. Et il te libère complètement. Il te libère complètement in the name of Jesus. Ce soir, tu es libéré. J'ai dit ce soir, tu es libéré. Tu es soit tu es libéré. On avait même, même envoûté ton, 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 ta, ta vie conjugale et ton mariage. Et tu n'arrives pas à faire des rencontres à cause d'un envoûtement. On a contrôlé tes, 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 tes déplacements, tes mouvements. Et on t'a fait en sorte que tu n'arrives pas dans les endroits où les gens vont t'apprécier, où les gens vont t'aimer, ils vont t'honorer, ils vont vouloir aller avec toi pour te prendre en mariage. Ce soir... Toute forme d'envoûtement qui a attaqué ton mariage est détruite au nom de Jésus. Et le Seigneur est en train de me parler de gens dont on a attaqué les finances avec des envoûtements. On a attaqué tes finances avec des envoûtements. Tu as mangé, depuis que tu as mangé ou bu ça, tes affaires ne sont plus comme elles étaient avant. On t'a renvoyé du travail. Tu as perdu cet emploi dans lequel tu étais. Depuis que tu as pris cet envoûtement, tu n'arrives plus à progresser sur ta vie financière et économique. Tes challenges, tu les as revus à la baisse. Ton travail est arrêté, tes, tes entrées d'argent sont limitées. Ce soir, nous déclarons par l'onction que la puissance de la sorcellerie sur tes finances est cassée au nom de Jésus. Est cassée au nom de Jésus. Est cassée au nom de Jésus. Est cassée. Au nom de Jésus, est cassée mmh. Merci Seigneur, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré complètement. Tu es libéré complètement. On avait bloqué ton voyage avec un envoûtement. Tu es libéré. 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 OK. Tu es libéré. Je vois quelqu'un qui a un ami qui s'appelle Ismaël. Tu as un ami qui s'appelle Ismaël. OK. Un ami qui s'appelle Ismaël. Tu peux m'écrire, tu pourras m'écrire inbox. On va commencer tard, donc on a, il se fait déjà un peu tard. Ici et même ailleurs. Tu pourras m'écrire inbox. Je voudrais prier pour toi. Ismaël. Tu as un ami qui s'appelle Ismaël. Un ami de quel tu as, tu as été assez proche pendant longtemps. Tu as été assez proche pendant longtemps. Et vous arrivez même pendant les fêtes de Tabaski et autres de manger souvent ensemble, ok, de manger souvent ensemble. Le Seigneur me dit que lui-même il n'y est pour rien, mais il y a eu des envoûtements qui ont été faits pendant votre jeunesse, pendant que tu mangeais là-bas, ok. Ismaël, un ami comme il s'appelle Ismaël. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et le Seigneur me dit de prier pour toi ce soir pour que ces envoûtements soient cassés. Et je vois même que ton ami en question dont il s'agit c'est comme s'il n'est plus là, je ne le vois plus. C'est comme s'il a voyagé, ok. C'est comme s'il a voyagé, ok. Et toi, tu, tu es resté, tu n'as pas bougé, tu es toujours. Hein? Merci Seigneur. Et le Seigneur me montre qu'on a pris la grâce qui était sur toi et on l'a donnée à, à, aux enfants hein, de la famille où tu allais manger. Il y a une grâce sur toi qu'on t'a arrachée et on l'a donnée aux enfants de la famille où tu allais manger ce soir. Merci Seigneur. Ce soir, la main de Dieu te libère complètement. Et il te restitue et te restaure tout ce qui t'a été volé par envoûtement. Tout ce qu'on avait manipulé dans ta vie à cause d'un envoûtement par la nourriture, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci. Merci. Tu es même ami aussi, il y a quelqu'un qui a ami aussi à la famille Conné. La famille Conné. Je vois comme tu es ami à la famille Connais, où tu allais souvent, très souvent, à, ami avec leurs enfants. La famille Coné. La famille Kone. Tu étais ami, ami également aux enfants. La main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. La main de Dieu te libère. Merci Seigneur. La main de Dieu te libère. In the name of Jesus. OK. La main de Dieu te libère. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabriada Deba. Laria Masuriada Ba. Brazi Kadabo. Tu es libéré ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Dieu libère tes finances. Dieu libère tes finances. Dieu libère tes finances. Toute forme d'envoûtement sur tes finances. Dieu libère également tes finances. Dieu libère tes finances, Dieu libère tes finances. Pendant que nous sommes en train de parler de finances, si tu veux faire une offrande, euh, alors qu'on est en train de terminer, voilà, les informations vont s'afficher. Tu peux faire une offrande pour sceller, hein, pour sceller ta délivrance financière également, toute forme d'envoûtement financier. Pour tous ceux qui sont en train de faire une offrande, je déclare ça maintenant pour toi au nom de Jésus, qu'il y ait comme une restauration financière, qu'il y ait comme une réinitialisation sur le plan financier. Tout ce que tu vas déposer comme offrande, peu importe le moyen par lequel tu déposes cette offrande, la, les domaines de ta vie, qui sont des domaines sociaux, économiques, que la, la sorcellerie avait paralysé, ces domaines-là, il les lâche au nom de Jésus pendant que tu déposes ces offrandes, que ce soit par PayPal, par Orange Money ou MTN Mobile Money, ou que ce soit ailleurs, Western Union, tout le reste, la main de Dieu bénit vos offrandes et il se sert de ces offrandes, de ces semences pour paralyser. La sorcellerie dans tes finances, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the na dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare et j'attache ma parole à chacune des offrandes que vous êtes en train de déposer maintenant et que vous allez déposer plus tard. Que la main de Dieu soit sur vous et que ces offrandes soient une alliance nouvelle, un nouveau pacte pour vous libérer de l'influence et des envoûtements par lesquels l'ennemi vous a contrôlé, au nom précieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Wow, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Wow. Est-ce que tu as été béni Tu peux dire amen, amen. Avant que je termine, amen. Si tu as été béni, écris, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Si tu as été béni ce soir, écris, j'ai été béni, j'ai été béni, j'ai été béni. Pendant que les moyens de paiement s'affichent, vous voulez faire une offrande, n'hésitez surtout pas. Vous avez été béni ce soir et vous voulez apporter une offrande. Voilà, les moyens de paiement s'affichent. N'hésitez surtout pas. Dieu va vous, va matérialiser sa parole dans vos vies. Écris, j'ai été béni. Si tu as été béni, j'ai été béni. J'ai été béni, j'ai été béni. Wow, j'ai été béni, j'ai été béni. Waouh, waouh, wow. wow, wow. Marie-Oxane, sois béni, ma fille. Marie-Oxane, Marie-Oxane, ok. Coretta Anne, Odoctavi. soyez sois béni, soyez béni. Eva Karine, Michel, 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 Michel Gueya, Lionel Gra, Sinel, mon fils, sois béni. Étienne Miché. Jean-Eudes, yes, God bless Fatima Yoda, wow, Fatima est là aussi. God bless you, Fatima, tu es bénie, ma fille. Wow, Prunelle Adjabre, God bless you. God bless you. Soyez béni, j'ai été bénie, j'ai été bénie. Herman qui prie, tu es béni, mon fils. Yeah. Sarah Godou, ma fille, tu es bénie. Kissy, tu es bénie, tu es bénie. Gloire à Jésus pour ce soir. Nathan, mon fils, tu es béni. Yes, 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 yes. Jocelyn Asemia, God bless you, Jocelyn. Toutes les œuvres de la sorcellerie s'arrêtent dans vos vies. Toutes les formes d'envoûtement. Masha, <muches> brado, seda, vosha, Yes. Henriette, elle nous suit depuis le Sénégal. Henriette, grâce divine. Super, soyez bénie. Pierre, te dit, j'ai puissamment été béni. Gloire, oh, wow, gloire to Jesus, glove to Jesus. Esther Zinsou, waouh, ma fille, elle nous suit depuis le Bénin. Dieu te bénisse, ma fille Esther. Dieu te bénisse. Nao Bley, wow, on est depuis, depuis la Côte d'Ivoire, depuis Bassam. Sois béni, ma fille. Euh, Stéphane, mon fils, Stéphane Epo, God bless you, Stéphane. Roger Obeng Besso, God bless you. Dieu vous bénisse tous, tous ceux qui ont été connectés jusqu'à cette heure. Que Dieu vous bénisse. Vendredi prochain, je vais avancer un tout petit peu et je vais continuer à parler de certaines formes d'envoûtement. Ne ratez surtout pas. Ça sera très, 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 très intense. Vendredi prochain, on va. Euh, je crois que on va, on va, Dieu va nous faire grâce. On pourra commencer à l'heure. On a eu quelques petits soucis avec la technique, avec tout ce que vous savez dans l'atmosphère spirituelle et tout le reste. Mais ce soir, c'était une grande libération pour plusieurs. Rien que d'entendre le message, rien que d'entendre la parole, la main de Dieu a libéré plusieurs. A libéré plusieurs. A libéré plusieurs. Au nom de Jésus. Wow. Karen, Yébé, bless ou Karen. Elisabeth Diop, God bless you. Voilà, prunelle, soit bénie. Amen. Amen. God bless you. Partagez encore si des gens n'ont pas pu suivre. Si les gens n'ont pas pu suivre, euh, partagez, envoyez ça à des amis euh, pour que le discernement de certaines personnes puisse s'élargir et que Dieu puisse nous faire du bien. Je voudrais avant de terminer rappeler que nous sommes dans une opération de collecte de fonds. Parce que notre assemblée, notre église est en train de déménager son local vers un nouveau local où on pourra vous accueillir, accueillir tous ceux qui veulent, qui veulent donc partager les cultes avec nous. Donc on est en train de, de s'organiser pour déménager vers un local où, où il y aura plus de commodités, où il y aura une meilleure organisation, plus d'espace. Et donc cette opération est lancée tout à l'heure avant de terminer. Vous allez voir donc la vidéo qui, qui invite. Et on vous invite donc à participer, à prendre des engagements. Pour, nous, pour joindre la main à, à notre ministère, pour nous aider à nous installer et à pouvoir donc faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Si vous avez à cœur de participer à cette opération euh, pour notre nouveau local de l'Église, tout à l'heure les informations vont s'afficher juste avant la fin du direct. Donnez-nous donnez la main d'association et Dieu va certainement faire avec ce que vous allez nous apporter de grandes choses dans cette génération au nom de Jésus. Si vous êtes béni par notre ministère, c'est le moment de nous donner la main. Vous êtes bénis par tout ce qu'on fait avec les moyens qu'on a déjà, avec les, le cadre qu'on a déjà, mais on pourra faire mieux si on est dans de meilleures dispositions. Donc, donnez-nous la main pour qu'ensemble nous puissions laisser un impact sur cette génération et aider l'Église de ce temps à entrer dans sa destinée. On compte sur vous. Donc, tout à l'heure, tout à l'heure, euh, euh, avant de terminer la vidéo va passer, mais d'ici là, que Dieu vous bénisse. On a été plus de 125 connectés. En permanence. Waouh, c'était extraordinaire. Depuis quelques semaines, on n'avait pas eu le Power Friday. Et c'était un retour spécial aujourd'hui. On a été vraiment bénis par la parole de Dieu, par l'atmosphère prophétique qui était dans ce message. Et je crois que Dieu va ouvrir notre esprit, mais surtout que Dieu va manifester sa grâce davantage. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom précieux de Jésus. Voilà. Continuez de partager à des amis réécoutez, réécoutez, partagez et puis Dieu va vous faire du bien certainement voilà, on se donne rendez-vous donc euh, vendredi prochain pour la suite et mercredi déjà pour City Connect, je serai également live euh, pour City Connect, God bless you d'ici là, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse shalom et puis à mercredi et à vendredi shalom bien-aimés nous lançons un projet de collecte pour le changement et l'aménagement d'un nouveau local siège pour l'Église. Ce projet consiste à trouver 500 partenaires capables de contribuer afin de collecter 50 000 euros, soit 35 millions de francs CFA. Cette somme servira donc à l'aménagement d'un nouveau local, à l'acquisition de matériel de sonorisation et de vidéo plus performantes. Ainsi, nous pourrons, grâce à ces installations modernes, toucher plus de croyants et surtout d'incroyants. Ce projet de collecte s'étendra du mois d'août 2020 au mois de janvier 2021. Cette opération vous offre donc la possibilité de semer en trois tranches différentes selon votre choix, de 100 à 500 euros, ou soit de 50 000 francs CFA à 300 000 francs CFA pour la première tranche, de 500 à 1 500 euros, soit 300 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour la deuxième tranche et pour la troisième tranche de 1500 euros et plus, soit 1 million de francs CFA et plus. Vous aurez donc la possibilité de contribuer pendant toute la durée de l'opération et autant de fois que vous souhaitez semer dans ce projet. Tous les moyens de paiement sont disponibles et s'affichent au bas de l'écran. Vous pourrez donc consulter notre site internet et toutes nos différentes pages Facebook ou appeler le contact qui s'affiche pour plus d'informations concernant cette opération. Joignez-vous à nous et saisissez l'opportunité de semer pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre dans notre génération. Shalom et que Dieu vous bénisse.